Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour, dans cette nouvelle émission du 12e Homme. Est-ce que, euh, est que vous nous entendez Je vérifie parce que j'ai eu des mises à jour. Ouais, ça a l'air de marcher. Et euh, on commence avec euh, une page Facebook incroyable. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ceux qui n'ont pas vu, euh, Facebook a mis enfin, euh, Atric a mis en tout cas un petit message sur leur page Facebook pour euh, acheter Actu. Donc, ça fait plaisir. Ils ont mis ça il y a une heure plus ou moins. Et, euh, ça nous a fait plaisir. On est tombé dessus. Donc, euh, voilà, on s'est dit on va quand même l'afficher et les remercier. Donc, euh, voilà, bon, je sais pas s'ils comprennent le français, mais en tout cas, on les remercie. Et ce soir, bien évidemment, comme tous les mercredis, c'est l'aventure du crédit FC, notre club communautaire. Et donc là, on va revenir sur le jeu. Et ce soir, pour, pour m'accompagner, alors je vois qu'il y a déjà des petites blagues dans le chat, mais on va expliquer un peu. Il y a pas mal de choses à expliquer, et c'est cool, vous verrez. Euh, c'est petit filou. Salut, petit filou. Salut, Dapidu, et salut à tous. Et, euh, salut, Caselac, heureux... récent finaliste des. <laughs> exactement, exactement. Et euh, ouais, il y a moins d'une semaine, on suivait ça en direct. Un bon moment communautaire, malheureusement, qui termine mal, mais euh, c'était une tragédie, mais c'était un bon film, mais une tragédie. Tu vois, la fin est un peu triste. Mais euh, ouais et pour, pour expliquer un peu tout ça alors il y a un tout petit écho petit filou désolé parce que c'est vrai qu'on a fait les tests justement il y a pas d'écho ouais. là il y en a de nouveau un petit mais comme ça tu sais euh, en gros pour faire simple donc quelques petites choses à dire avant de commencer la première c'est un énorme merci à petit filou parce que y a peut-être des gens qui vont se dire ouais mais petit filou il est toujours là c'est quoi et tout faut savoir qu'en fait petit filou il me dépanne, mais c'est même plus que dépanner, là c'est là c'est clairement c'est même plus un adjoint c'est presque un co-animateur dans ce cas là parce que il propose son aide gentiment parce que, effectivement, il voyait que j'étais tout seul, on n'a pas réussi à trouver un autre adjoint, etc. Donc, euh, merci beaucoup, petit filou. Et, euh, donc voilà, pour, pour expliquer pourquoi est-ce que c'est toi ce soir. Mais, je refais un petit, un petit message aussi. Si d'autres gens sont motivés pour passer, n'hésitez pas à nous contacter. Il n'y a pas de souci aussi. Euh, franchement, c'est euh, avec plaisir que euh, vous pouvez passer euh, dans l'émission. J'essaie de contacter un maximum de gens, mais bien évidemment, peut-être que je ne contacte pas tout le monde. Et peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent, bah, tiens, moi, j'aimerais bien euh, proposer un point de vue, ou passer une bonne soirée, ou donner. À la, base, le, à la base, le club communautaire, c'était, euh, on voulait des managers expérimentés. On aime bien ce principe d'avoir des managers expérimentés pour apprendre des choses. Maintenant, euh, on peut tous être expérimentés dans un domaine. C'est bête ce que je veux dire, mais il y a peut-être des gens qui vont être expérimentés dans, la, dans le design du stade et qui vont se dire bah, tiens, moi, peut-être que je ne m'y connais pas trop en équipe, mais peut-être qu'on peut passer une soirée à designer le stade. Enfin, vous voyez, il y a plein de possibilités, donc n'hésitez pas. En tout cas, si, si vous pensez que vous n'êtes pas voilà, pas au niveau, etc., je pense qu'on a tous quelque chose à dire ou à, à un moment à partager, en tout cas avec le Dicredi FC. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Je ne sais pas ce que tu en penses, petit filou, mais c'est vrai, finalement, tout le monde est le bienvenu. Ah, oui. oui, je suis d'accord. Je, je, je vais. Comment dire euh, déjà juste pour répondre à Katox, c'est pas une question de se justifier, mais c'est sûr que comme je sais que je passe plusieurs fois, euh, j'ai pas envie qu'on croit que je monopolise la place. En fait, j'ai écrit à Dapidu à 19h10 et j'ai dit, euh, bah, <laughs> vrai. voilà, t'as toujours personne. Euh, si tu as besoin de quelqu'un, je peux t'aider, voilà. C'est ça, j'étais en En plus, j'étais en et... pleurs, en position fétale, et grâce à Petit Filou, il m'a remis dans le droit chemin et dans la joie. Donc euh, merci Petit Filou. <laughs> Et, et, et ce que je veux dire aussi, c'est à tous ceux qui sont dans le chat là, euh, tous à un moment vous pouvez passer. Et je sais pas, ça j'ai pas forcément demandé à Dapidu directement, mais je pense que si quelqu'un se sent pas d'être là pendant deux heures, de gérer toute l'émission, de faire tous les trucs, il y a peut-être moyen aussi de de faire une partie de l'émission oui, sur bien sûr. Euh, bien euh, sûr. Euh, par sur les jeunes, si vous aimez, euh, si vous voulez avoir la main sur les jeunes, euh, le moment du tirage et Faire la compo des jeunes, voilà, allez-y. Tout à fait, tout à fait. En, en fait, faut se lancer à un moment. Si... Exactement. Si vous êtes dans les hésitants, voilà. Ouais, non, c'est ça. N'hésitez pas. Le, honnêtement, on est là que pour passer un bon moment. De toute façon, euh, je pense qu'il n'y a pas de jugement. On est, les gens seront vraiment très gentils, même dans le chat, donc vous verrez, c'est que un bon moment à passer. Et alors, j'ai un autre message aussi à passer tant qu'on y est, c'est que malheureusement Z n'est pas là ce soir. Et en fait, voilà, Z, euh, sa vie privée fait que euh, malheureusement les mercredis soirs, il sera certainement Enfin, je pense qu'il sera plus présent, malheureusement. Il sera toujours là, normalement, les, les vendredis, mais plus les mercredis. Donc, si par contre, vous avez l'âme d'une un, personne qui voudrait m'assister, entre guillemets, euh, euh, pour euh, même un peu co-animer, mais pas spécialement pour l'équipe, mais aussi même pour, pour les sondages, pour des choses comme ça, pour des prédictions, pour j'en sais rien, pour lire les messages dans le chat ou quoi. N'hésitez pas aussi, on peut... Voilà, s'il y a des gens qui en tout cas qui seraient motivés pour être euh, l'assistant, entre guillemets, pas, pas spécialement l'adjoint, parce que l'adjoint, c'est bien que ça tourne, on va dire, chaque semaine, idéalement mais si vous voulez être euh, voilà, plutôt euh, assistant, entre guillemets... Enfin assistant, ouais, je trouve ça un peu bizarre comme nom, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, le, le rôle de zen en fait. Donc euh, voilà. N'hésitez pas, en tout cas, il y, y a une place. Mais euh, sinon, voilà, j'ai la main aussi pour les sondages, etc. Donc il n'y a pas de souci, on fera tout ça. Je pense que là, on est bien. Alors je vais quand même saluer le chat, parce que je vois que vous êtes quand même nombreux, ça fait plaisir. On va dire bonjour à Casselec, Mev, Grand Vince, euh, GG Antich, Katox, El Pepito. Checheux euh, aussi, premier message. Salut Checheux, en tout cas, bienvenue. Euh, Chef Lindois qui nous écoute, il rentre en voiture. Mais ouais, même des chefs lindois et tout ça, bien sûr, il y a plein de gens qui pourraient passer, donc, euh, donc voilà. Écoute, Tiffilou, petit le, les petits messages personnels sont passés. Je pense qu'on a fait un petit tour. Et là, ce soir, c'est quand même une belle soirée parce qu'il y a un peu notre pépite qui va sortir plus tard dans la soirée. On va, on va mettre tout ça en place. Et en plus, t'es sur une idée de, de toi, en fait, parce que en gros, la semaine dernière, on s'était dit qu'il faudrait peut-être le sortir... Le jour avant l'émission pour pouvoir le faire jouer en amical, etc. Mais tu avais donné la bonne idée en fait de faire un amical en Argentine, c'était ça C'est ça, ouais. C'est l'horaire le plus tard des amicaux qu'on peut avoir le jeudi à 3h du matin. Ouais, c'est ça. Et donc, comme ça, c'est-à-dire ça qu'on va pouvoir le sortir tous ensemble. Ça, ça va être chouette aussi. Ça va être un bon moment. Alors, peut-être qu'on va d'abord faire un tour sur, euh, sur le championnat. Parce que voilà, en championnat, on a pris un 6-0, on le savait. Hein. Pour ceux qui ont suivi, euh, voilà, c'était prévu, on va dire. Oui. On a joué la routine, dans ce cas-là, vraiment, on a joué, euh, comment dire, enfin la, ouais, la tactique. Et, euh, et donc voilà. Après, rien de grave. On est cinquième et on affrontera. Après, le même le, le 6-0, il est même un peu sévère. Hein. Enfin, on savait qu'on se prendrait une défaite. Euh, c'est assez logique. Et même le, le 6-0, c'est quand j'ai regardé le compte rendu du match, c'est un peu cher payé. Mais bon, voilà. Ouais, ah oui. c'est vrai. C'est vrai que c'était un peu cher payé, mais bon, on s'attendait de toute façon à une, à, une, à une petite défaite comme ça. Et salut à Trick Direct aussi qui mettent leur message. Alors, à Trick Di Direct, je pense que c'est le, le vrai compte. Donc, hello et thank you à Trick Direct pour le Facebook post. It was really kind. Of you. Voilà. <laughs> on peut remercier aussi à trick Direct. Donc oui, effectivement, 6-0, un peu cruel, mais bon, on pouvait s'y attendre. Mais par contre, on va se concentrer vraiment sur le prochain match contre le 6e, et là, ça va être un match un peu capital, c'est à domicile, enfin capital, important en tout cas, c'est à domicile et contre le 6e, donc euh, en tout cas, il y aura... y aura vraiment quelque chose à faire. Euh, salut à Sherman aussi. Hey, vous êtes nombreux dans le chat, ça fait vraiment plaisir, en tout cas, c'est chouette à voir. Est-ce que, petit filou, par quoi est-ce qu'on commencerait Il y a plein de choses en tout cas à voir. Est-ce que t'as une euh, une préférence? A mon avis, là cette fois-ci exceptionnel. Enfin, je suis en train de me dire, est-ce qu'on ferait pas les jeunes? Mais si on commence par les jeunes, tout le principe de l'émission est foutu en l'air, tu vois. Le meilleur moment sera passé, quoi. Mais d'un autre côté, il faut quand même qu'on. Non, on peut faire la promotion de Zeba, peut-être. Euh, ouais, ouais, si tu veux, ouais. Et si as, une... as prévu une animation spéciale avec des feux d'artifice, hein, <laughs> oui. euh, On va mimer les, enfin, mimer, enfin pas mimer, mais on va faire le bruitage des feux d'artifice, si vous voulez. <rire> <Voilà>. <rire> bon ça va pas être joli à mon avis euh... ouais Gigi Antich qui dit on se tient en jus je peux passer vous voir en live semaine prochaine c'est ça peut-être que la semaine prochaine on aura Gigi c'est vrai la semaine dernière on avait parlé peut-être de l'avoir je l'ai contacté mais il était pas là ce soir mais peut-être la semaine prochaine donc on aura peut-être des nouveaux managers en tout cas donc c'est cool donc attention chez les jeunes on va pas tirer le joueur du centre de formation parce que c'est le meilleur moment de la soirée donc sinon bah ça ne servirait plus à rien d'être là tout le monde va partir on vous connaît mais par contre on va Faire quelque chose d'extraordinaire. On va trier par numéro de maillot. Regardez Zeba. Quel joueur exceptionnel. 17 ans et 1 jour. 7 buteurs, 7 passes. Il est donc bien maxé. Il est encore vraiment maxé en passe. Et on voit que buteur, il est pas maxé, maxé. Donc c'est en. Voilà. Toujours ça à prendre. Mais. Euh, on peut voir la pépite, nous dit Sherman. Oui, voilà Sherman. Voilà la pépite. Voilà la pépite. Att oui. ah, avant de te précipiter et de le sortir, ça, tu peux voir de quand date son dernier up, buteur tout à fait. On va regarder ça. Alors dernier buteur estimation. Euh, non c'est euh, non pardon c'est dans l'entraînement ici. Pas... Hein. Du coup c'est pas dans estimation c'est dans l'entraînement. Ouais la date pour savoir s'il a reçu potentiellement des entraînements buteurs en plus. Ah on peut pas le voir sur sa fiche sur la fiche de joueur faut aller. Si si si, si descend descend. Ah oui c'est là pardon oui oui. Euh... Ouais, et tu regardes la phrase qui dit qu'il pa est passé de passable à honorable. C'était le 2 décembre. Euh, Zéba répond bien en session d'entraînement buteur que nous avons organisé cette semaine. Il a pris un niveau. Donc c'était le 2 décembre. Donc c'était... Ouais, il y a un match en fait. De euh, 9. Ouais, c'est ça. Un... Il, a, il a joué un match de plus en fait. C'est ça. Donc, potentiellement, il a déjà... Euh, je vais dire à la louche, euh, entre 0,1 et 0,2... Euh, Niveau de buteur en plus. De... Il est plutôt 7,2, on va dire, en buteur que 7,0. C'est ça. Ok. Donc c'est. Parce qu'il n'a pas possible. été maxé en buteur, donc on sait qu'il a pris un entraînement buteur en plus depuis. Ok. Ok. Donc euh, bah, c'est quand même ce qui est bien. Donc comme ça, euh, voilà, il a un peu buteur un peu plus haut que simplement euh, buteur, entre guillemets. Euh, je vois qu'une spé pour buteur tout court serait top. Ouais, ça serait cool si on pouvait découvrir une spé. Bon, là. Euh... Est-ce qu'on se fait beaucoup d'illusions sur une SP ou pas Est-ce que tu penses que c'est possible Avec tous les entraînements qu'il a déjà reçus et tous les rapports de match qu'on a analysés et tout ça, il y a quand même peu de chances yeah, Oui, il y a une chance sur 500. Okay. <laughs> non, mais plus sérieusement, <laughs> ça peut arriver très 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 rarement d'avoir une SP qui tout d'un coup se dévoile lors de la promotion. Mais en général, quand on avait longtemps un jeune dans le club et qu'on a regardé attentivement tous les matchs et qu'il n'y a pas de SP qui s'est... Dévoilé, ça m'étonnerait qu'il y en ait une subitement à la promotion. C'est ça, voilà, donc euh, à moins qu'il soit vraiment passé à travers les mailles du filet à chaque fois. Ouais, je vais juste euh, ça, dire. Ça à... peut arriver, oui, bon. c'est ça, à voir. Je vais juste dire, c'est vrai que Vala, donc Slanor dans le chat, avait posé une bonne question en demandant si vous êtes des nouveaux joueurs, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous découvrent ce soir, n'hésitez pas à le dire dans le chat en tout cas. Et euh, ça fait plaisir, je vois que Cheuche justement disait que c'était un nouveau, en tout cas dans le chat, un hein, joueur, ça je ne sais pas. Et si vous avez aussi des questions sur le jeu, etc., n'hésitez pas, euh, par rapport au club communautaire, on est là pour répondre. Et si c'est vraiment des questions par rapport au jeu, je suis sûr que dans le chat vous trouverez des gens, en tout cas qui répondront à vos questions. On a des gens vraiment très compétents euh, dans le chat. Donc voilà, petite parenthèse, parce que c'est vrai que c'est possible qu'il y ait peut-être des nouveaux joueurs qui nous découvrent ce soir. Donc euh, on a reçu quand même une dizaine à mon de personnes qui nous ont suivis. Donc c'est possible en tout cas. Donc voilà. Maintenant Zéba, on va donc le promouvoir. On est d'accord Oui oui, tu peux y aller. Alors attention promotion de Zéba et, et pas virer. Hein, le bouton il est juste à côté. Tu vois, un petit clic euh, raté, ça serait, ça serait vraiment horrible. La curiosité, ça sera de voir. Enfin, euh, Son niveau en ailier qu'on ne connaît pas du tout. C'est vrai. Euh, quel niveau il a en défense En vrai, on s'en fout puisqu'il va... a une position de buteur. Et son niveau en coup franc, est-ce qu'il a chopé un peu de coup franc quand on faisait l'entraînement buteur étendu C'est vrai. Donc êtes-vous sûr de vouloir promouvoir ce jeune joueur Vous ne pourrez pas annuler cette action Bien sûr, promouvoir. C'est parti. Pas de spé, malheureusement. Pas de spé. Euh, coup franc 3, ailier 3, construction 4. Défense 5, quand même. <laughs> Et voilà. voilà, donc Zeba. Belle, euh, belle bête, j'ai envie de dire. Un beau joueur, en tout cas. Euh, bon, dommage pour l'aspect, bien évidemment, mais comme on avait dit, c'était malheureusement euh, peu probable. Mais franchement, un très, très beau joueur, en tout cas. Donc ça, déjà, euh, c'est sûr qu'on va l'aligner, pardon, euh, pour le match amical de demain à 3h du matin. Potentiel U21, nous dit Checheux. Ouais, c'est vrai que, techniquement, s'il y avait les équipes nationales, chose qu'il n'y a pas encore avec les Nouvelles Nations... Il y aurait peut-être. Alors après, je connais pas. Ouais, je... On ne connaît pas l'âge parfait, etc. Je ne pense pas qu'il avait l'âge parfait. Mais pour une petite nation, peut-être qu'il y avait un potentiel, effectivement. Euh... Effectivement, euh, U21. Et à Dirac, nous dit un beau joueur. Effectivement, un joueur qu'on a vraiment. Euh... vraiment. Euh... Allez, ça fait... Ben, ça fait deux saisons qu'on le bichonne, on va dire. <laughs> Donc très bien. Écoute, euh... c'est un moment marquant hein, de, de l'émission. <laughs> ouais, après, il faut relativiser malgré tout. Enfin. Je ne peux pas enlever le, le, le super côté de, de le promouvoir et on l'attendait depuis longtemps, etc. Après, personnellement, quand je vois un attaquant sans SP, ça ne me fait jamais dresser les poils. Voilà. Ouais. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais je vois que d'ailleurs... Bah... Ce que je veux dire juste, c'est que sur, sur les alliés et les attaquants, c'est vraiment les postes où la, la SP a une vraie valeur sur le marché des transferts. Et... Et où c'est pas mal recherché, même pour sa propre équipe, c'est recherché de rechercher des, des attaquants rapides, imprévisibles, costauds, etc. Mais tu vois, je vois, vois Grandvinz voilà. qui dit « Un joli TSI, ne serait-il pas plus intéressant de le vendre que de le former ?» Mef qui dit « Vaut mieux le garder à la place de Kozoloa ou le vendre euh, ?» Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je serais plutôt partant. On peut faire un sondage, le premier sondage de la soirée d'ailleurs. Est-ce qu'on le vend ou est-ce qu'on le garde Qu'est-ce qu'en pensent les gens on pense quoi, Petit Filou Ça peut être un bon sondage intéressant, non On peut faire le sondage, mais je pense qu'il faut d'abord regarder quelles sont les options qu'on a. Euh... C'est vrai. Euh, en fait, il faut comparer, il faut regarder la comparaison des transferts, il faut regarder quel joueur, si on le garde, quel joueur on vend ou on enlève de l'entraînement. Exactement. Et après, on peut voter. Est-ce que le comparo... Comme là, on est dans une petite nation, est-ce que tu vois, il faut prendre en compte peut-être le fait que ça peut être un peu plus cher pour une petite nation. Mais bon, il n'y a pas les équipes nationales non plus, donc c'est vrai que c'est compliqué, en fait, euh, comme ça. Les, les, les comparo, à cet âge-là, c'est compliqué effectivement. Oui. D'un côté, c'est une petite nation, de l'autre côté, il n'a pas de SP. Donc, fait que ce soit une petite nation, ça peut faire monter le prix, mais vu que c'est un attaquant sans SP, ça peut faire baisser le prix. Donc, euh, en, je pense que on, si tu le vendais maintenant, tu, pouvais, tu peux effectivement en tirer 300, 400, 500, 600 000, mais mmh. c'est très difficile de, de savoir à quel prix il va partir. Ouais, c'est ça. Après la question aussi, c'est est-ce qu'on a besoin d'argent, tu vois comme Diva Vala là aussi, c'est ce qu'il faut voir, est-ce que Aïe, ah, c'est beaucoup de choses à prendre en compte. Et, et ce que je veux dire aussi c'est enfin sur, sur les joueurs comme ça que tu sors à 17 ans 0 jours d'une petite nation, des fois il suffit que deux managers se crèpent le chignon et font, fassent monter les enchères et tout d'un coup ça explose le, le prix du comparo. Oui, c'est vrai. C'est et, vachement, et même pas des fois c'est même pas rationnel en fait. C'est juste que tu as un gros joueur qui sort dans une petite nation et tout d'un coup tu as des gens qui veulent se battre pour... Euh, ouais non, effectivement... Euh, oui, donc... Avoir, en tout cas avoir... Après, le truc c'est que... Enfin, on va faire comme le sondage. Donc d'abord, voilà le comparo. Le joueur, on vous le remontre. Comme ça, vous pourrez voter. Bah, alors, parce que je voyais Chouchou -Chou qui disait, euh, ça dépend de ton projet, si tu as besoin d'argent. je euh, n'oublie pas que c'est un, un club communautaire. Ça veut dire qu'en fait, le but, c'est que... Comme ça, tu sais, hein, si tu viens d'arriver, c'est... On prend les décisions ensemble, en fait. Ça veut dire qu'en gros, euh, le but, c'est qu'on discute et on voit ce qu'on fait euh, tous ensemble et on essaye d'apprendre des choses ensemble et de, de faire évoluer ce club tous ensemble. Donc, euh, on va corriger en disant que ça dépend de notre projet si on a besoin d'argent. Mais, mais tu as raison, mais c'est vrai aussi. Il faut voir si on a besoin d'argent. Pour les personnes qui nous rejoignent, au cas où dans les finances, on en est à 1 million pour l'instant. Donc voilà, on a 1 million en caisse. Théoriquement, on devrait peut-être encore acheter un ailier. Donc ça, c'est ce qu'il faudra voir euh, prochainement. Peut-être pas ce soir, à mon avis. Enfin, on verra. On verra suivant les compos, etc. Et alors, par rapport aux buteurs, parce qu'il faut savoir, donc comme ça, euh, vous avez toutes les informations. Euh, on entraîne buteurs, justement, Chouchou. Et en fait, on entraîne avec beaucoup de jeunes. On a eu beaucoup de jeunes buteurs qui sont sortis de notre centre de formation. On va les montrer. Comme ça, ça donne un peu à tout le monde un, on va dire un... un aperçu en tout cas de ce qu'on a. Donc au niveau des buteurs, on a euh, Sanogo. Sanogo, c'est marrant parce que c'est le tout premier joueur qu'on a tiré euh, de notre centre de formation, euh, la première émission. Avec Valala d'ailleurs dans le chat, euh, Slanor. Donc Sanogo, il y a une petite valeur sentimentale et franchement, il est sorti passable, hein, je crois de mémoire, il était passable le buteur. Mais euh, voilà, un buteur intéressant. En tout cas, 18 ans 10 jours. Ça grandit vite hein, les, les jeunes joueurs. Euh, Taïrou, lui, fait partie du club, hein, donc euh, lui, il va certainement sauter. Enfin oui, c'est un peu le but. Euh, on a dit qu'on essaierait de le vendre à neuf quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de besoin d'entraînement de neuf, donc il sera remplaçant. Euh, Kozoloa. Alors moi Kozoloa, je l'aimais bien, mais j'avoue qu'en fait, en le revoyant maintenant, tu vois, je me dis bon, ok, <laughs> ça va. Je comprends pourquoi personne ne l'aimait. Moi j'aimais juste l'aspect chef d'orchestre, qui finalement, en plus, c'est voilà, c'est pas une spé pour l'instant euh, incroyable. Donc je <laughs> <laughs> sais pas pourquoi. Moi j'ai eu un coup de cœur pour Kozoloa, mais j'avoue que maintenant, en le revoyant, peut-être un peu de recul et quelques semaines de recul, je me dis bon, ok, c'est vrai que c'est pas fou. Euh, c'est pour ça que les gens dans le chat d'ailleurs demandaient euh, euh, Kozola, à la place de Kozola pourquoi pas, ça peut être l'idée. Euh, Dabo, voilà un jeune joueur qu'on a sorti à honorable buteur. Euh, oui, il n'a pas beaucoup non plus, j'avoue, il n'a pas beaucoup de choses sur le côté. Oui. En vrai, Dabo, Dabo c'est aussi un bon candidat à, à sauter à un moment ou un autre parce que. Parce que les secondaires c'est zéro. il n'a pas de sp. Euh... En plus tu sais quoi non, mais... Ça ne fait, pas... fait pas rêver. Là un peu le côté sentimental toujours. Ouais, mais là où tu as raison, c'est hein, mais... ouais, et... donc... que je crois qu'il a pris un niveau... Attends, je suis... je suis toujours perdu pour voir les niveaux. Euh, progression c'est ça Il a pris un niveau de buteur il y a une semaine... Enfin euh, tu vois, il n'y a pas longtemps en fait, il a pris un niveau de buteur. Ouais, donc la, ça... la semaine dernière, ouais. la semaine dernière ouais, Il a ouais. joué ouais. Euh, samedi euh, Regardez les match, euh, le 10 du 12 oui il a joué samedi ouais, ouais. ça veut dire qu'il aura plus un entraînement plus un entraînement ouais, c'est si ah si, vend... imaginons si on le vendait maintenant il serait vendu à 10 plus 1 ça. Après, on a Brinker. Alors, lui, il est pas mal, mais c'est un joueur externe du club. Donc, dans toutes ceux que j'ai montré avant, c'est tous des joueurs qui ont été formés dans le club du centre de formation. Et on a Brinker qui, lui, bah, ne vient pas du centre de formation. C'est un externe, entre guillemets, en attendant d'avoir justement des joueurs comme, euh, comme celui qu'on a sorti aujourd'hui. On a Newmu, par contre. Alors, Newmu, beaucoup d'espoir sur lui. Bon, pas incroyable, mais costaud. Très belle spé. On sait, on sait que pour les buteurs, costaud, c'est une des meilleures spé, si pas la meilleure, enfin, en tout cas, une très bonne spé. Et euh, Guira qui Jou. est aussi un extérieur, un externe. Je pense que priori prioritairement, oui, il faut garder les attaquants à SP. Enfin, cest à fait. et le premier qu'on avait sorti là, le technique. Qui est... euh, Sanogo, oui, Sanogo. Sanogo. Ouais. C'est vrai ouais, que les, les, les deux SP sont... peuvent être sympathiques. Euh... Ensuite, entre Kozoloi, Dabo et puis les les étrangers. Mais... Brinker, il a quand même joueur de tête, tu vois. Discuter. Pourquoi pas Mais bon, il ne vient pas ouais. du club, il a joueur de tête, donc euh, ça peut se tenir peut-être. C'est vrai que Kozoloa, j'avoue que, bon, voilà, c'est pas incroyable. Dabo, comme tu dis, là, il a vraiment... Il a même pas de... En fait, il est un peu au niveau finalement de Kozoloa bon, Un petit peu mieux, en tout cas, on va dire, au niveau des secondaires, et encore c'est léger. Mais sans SP, donc c'est vrai que ça... Euh... Et plus, plus vieux, en fait. Bon, c'est pour ça qu'il est impressionnant aussi, d'ailleurs. Euh, oui, donc euh, on pourrait faire un vote peut-être. Euh, en fait, je pense que pour faire ouais. le vote. Donc là, on a, tout, on a donné un peu les informations globales. Donc peut-être que le premier vote, c'est quand même qu'est-ce ouais. qu'on fait de notre joueur, est-ce qu'on le vend, est-ce qu'on le garde. Et après, si on le garde, à la place de qui, non T'en penses quoi, petit Philo euh, Oui. Et, et je, je peux juste rajouter un truc. Il y a une autre possibilité qui n'a pas été évoquée. C'est éventuellement le, le joueur qu'on a sorti du centre là aujourd'hui. Euh, J'oublie les, les noms des joueurs, mais c'est pas très grave. Euh, on peut aussi le faire uper jusqu'à 8 buteurs. Et, et le vendre ensuite c'est aussi une troisième possibilité c'est à dire pas le garder sur le long terme l'entraîner quand même quelques semaines et le vendre au up si on estime que le up euh, rapporte ouais c'est vrai je vois ce que tu dis effectivement. Euh, Zéba, ouais, ouais. Zéba ouais tout à fait tu peux regarder comparaison des transferts si on, si on le passe 8 buteurs euh, quel est le comparo euh, si on le passe 8 buteurs il passe de 421 à 2 millions mais c'est ouais, que c'est peut-être intéressant. Et, et si on dépasse la, la, la limite des 24 jours Parce que dans, dans le comparo... Ah oui, c'est ça, c'est 24. Euh, il y a 17 okay. ans et moins de 24 jours ou 17 ans et plus Ok. 300, ah oui, ok, d'accord. C'est oui, oui, okay, intéressant oui. de voir si, à, à combien retombe le prix si on vend après. Ok. Intéressant en tout cas, mais c'est bien, on a un cas de figure euh, spécifique. Spécial. Après, oui. comme il est formé au club, il a aussi la, la, le petit cœur, tu vois, donc c'est intéressant aussi quand même sur du long terme. Mais il n'a pas ouais, oui, de spé. Ouais, c'est beaucoup de questions, hein. beaucoup de questions en tout cas. Euh, bah, je pense qu'on va commencer par une les autre sondages. Marque, oui. Une autre marque de Casellec. il dit aussi, on peut aussi le mettre en vente assez cher et le former s'il ne part pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai que et, ça peut être l'idée. Il a aussi dit que si jamais il se fait, on le vend et il se fait réévaluer par les GM, on peut faire une émission spéciale sur les réévalu ouais, réévaluations de transfert. <laughs> C'est vrai que ça peut être aussi une idée, effectivement. Euh, ok, parfait. Je pense que là on est quand même bien pour Donc, le premier sondage. Ouais. Euh, tu veux mettre quoi dans le sondage, du coup Donc pour moi, je me disais, le premier sondage, c'était déjà, est-ce qu'on garde Zeba ou est-ce qu'on le vend Tu vois, ça, après, ça permettre après, ça permet euh, On garde, on vend, et on vend à un prix élevé. Okay. Pour voir s'il part ou pas. Enfin, c'est un peu ce que disait Kasselec, en fait. Le mettre en vente assez cher, en se disant qu'il a de la valeur, et si jamais il part, ben voilà, et sinon, on le forme. Ok, c'est parti. Euh, deux minutes. Ouais, on va mettre deux minutes, hein, comme ça, euh... comme ça vous pouvez voter. Donc Zeba, on garde, on vend, on le met en vente cher. Et c'est parti. Vous pouvez voter au-dessus du, euh, du chat. Vous pouvez voter pour. Euh... Pour choisir de ce qu'on fait de Zéba. Je vais moi-même voter d'ailleurs. Je ne vais pas vous dire pourquoi je vais voter. Je vais voter. Euh, je vais me permettre. Hein, euh, euh, voilà. J'ai voté. J'ai voté. Je ne peux plus influencer. Parce que moi, là, j'avais envie de donner aussi mon, mon avis pour une fois. <laughs> C'est Zéba. Euh, ouais, je vois. Donc là, je vais vous dire. C'est quoi le nom du club Donc le 10 Crédit FC. Ah, mais je vois que Mev a répondu. Le 10 Crédit FC. Pourquoi le 10 Crédit FC, Chouchou si tu te poses la question je t'inviterai à regarder peut-être sur YouTube. Je n'ai pas le lien YouTube sous la main, mais je le mettrai après. Il euh, y a une explication, hein, pourquoi le dit crédit, etc. Y a, y a... Sur YouTube, y a... tu peux retrouver tout l'historique, en tout cas, de, du club. Donc euh, voilà. Ah, oui, petit filou, tu voulais dire. Oui, Chocheu euh, disait qu'il partira cher. Je pense. Pas impossible, mais comme je l'ai dit avant, je pense que c'est assez difficile à évaluer. Et je crois que Chocheu avait dit qu'il avait vendu un. Un joueur du Népal qui était moins bon que lui, beaucoup plus cher. Ça peut aussi dépendre à quelle période il a vendu ce joueur, parce que j'imagine que au dé début des nouvelles ligues, ou peut-être dans les deux premières saisons, euh, y a des... et ça peut aussi dépendre de l'âge, il y, y a des joueurs qui pouvaient partir encore plus cher que maintenant. Okay. Et aussi, peut-être que des gens se sont fait un peu des films sur l'avenir U21 ou A. Et du coup, ils peuvent aussi avoir misé beaucoup sur un joueur et prometteur. Euh, juste Choucheux qui dit je peux pas voter. T es sur téléphone ou sur euh, PC euh, Choucheux Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a des messages comme ça dans le chat de gens qui ne savent pas voter. Et pourtant, on utilise les, les outils de Twitch. Hein, donc c'est vraiment normalement, euh, ça devrait marcher, mais c'est bizarre et tu n'es pas le premier, hein, donc c'est pour ça. Sur smartphone, est-ce qu'il ne faut pas euh, remettre le chat Il n'y a pas un truc avec le chat et il faut après cliquer euh, tout au-dessus du chat. Il n'y a pas un truc déroulant, je pense ah, je suis désolé, parce que le vote va bientôt se finir. Tu aurais voté quoi, Cheucheux On va quand même prendre en compte euh, Cheucheux, ce qu'il aurait voté. Ah. On voit que pour l'instant, c'est on le Il met en vente chère. On le met, on le met en ouais. vente chère. C'est peut-être qui a voté ça. Ah, je le vois, mais je peux pas valider. Ok. Il aurait mis le, euh, le 3, c'était quoi ouais. C'est on le met en vente chère, c'était ça, hein, je crois. Oui, oui, je crois que c'est ça, ouais. Bah, écoute, bah, dans ce cas-là, euh, bah, là, comme ça, on est sûr que c'est ça, de toute façon, qui était choisi, parce que de toute façon, là, on est à 4 pour on le met en vente chère, 3 pour on garde et 1 pour on vend. Donc on va le mettre en vente cher, ok. Je vois euh, Katox qui dit tu as un sentimental d'apidu, on sait pourquoi tu as voté. Ouais, moi j'avais voté pour Hongard parce que j'ai un côté très sentimental, mais on peut le mettre en vente cher, pourquoi pas euh, Bah de toute façon c'est ce qu'on va faire vu que c'est ce qui a été voté. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par cher Bah écoute petit filou, Casselag euh, c'est vrai que vous avez proposé ça. C'est vous entendez quoi par cher Un million, deux millions J'aimerais bien l'avis de, de ceux qui ont un peu d'expérience là-dessus dans le chat, parce que moi-même, je. Déjà, je ne fais pas ça en général. Si je décide de vendre, je vends à zéro. J'ai quand même voté pour cette option parce qu'elle me paraît intéressante. Ok. Chef Landois qui dit euh, on garde sur tel, je ne peux pas voter. Donc, ça n'empêche pas. Il y a toujours un vote d'avance pour on vend cher, en tout cas. Mais la prochaine fois, on prendra en compte aussi les gens qui ne peuvent pas voter, hein, bien évidemment. Bah, de toute, toute façon, on les a pris en compte. mais. Pour moi, cher, ça serait euh, 900 000, euh, 1 million d'euros. Ok. C'est-à-dire au-dessus du comparo de base Sachant que c'est une petite nation et que peut-être des gens vont, vont se lâcher dessus. Ah, l'identifiant du joueur vendu que je vous disais, 3 300 000 pour ce jeu. Est-ce que c'est un joueur qui avait une spé ou pas aussi Attendez, on va regarder. Hop, je vais prendre le joueur sur le côté, comme ça on va regarder. Joueur, ID du joueur, ok. Sorav Daza. Ah, mais il est rapide aussi, par exemple. Oui, ok, c'est peut-être peut que ça a joué aussi. La je vois qu'il a une spé rapide, c'est un ailier. Je me rappelle pas si t'avais marqué dans le chat en tout cas. Euh... Euh, bon, par contre, les quatre gens qui ont voté pour on le met en vente cher », vous êtes obligé de passer dans l'émission pour dépenser l'argent s'il part. Ça, je suis d'accord, Casselec, ça c'est une bonne idée. <laughs> Salut à Batou aussi Et, ouais, qui nous rejoint. Kasselec, tu le mettrais en vente à combien Parce que c'est toi qui as donné l'idée au départ. Oui, hein, c'est -ce vrai. <laughs> J'aimerais bien ton avis. Grand Vite, qui a dit ça marche. De toute façon, Grand Vite, c'est ouais, bienvenu, hein. tu sais bien, de toute façon. C'est vrai que tu déjà venu en plus, donc euh, n'hésite pas quand tu es dispo. Euh... Non, pas précisé, j'avoue. Oui, c'est pour ça, peut-être que l'aspect, ça a peut-être joué aussi. Le fait que ce soit un ailier, peut-être que ça s'est vendu plus cher à ce moment-là, je ne sais pas. C'est vrai que c'est peut-être euh, 2 millions, nous dit Chef Lindois. Écoutez, on va voir, on va le mettre en vente. Tu peux retourner sur la comparaison des transferts de départ et, et l'étendre quand tu vas bah, sur montrer plus de transferts pour voir s'il y a des transferts qui sont allés en dehors des 400 500 600 000. Un costaud, un million, mais sinon euh, sans SP, euh, 500 000 au plus. Ouais. Au plus cher 500 000, en tout cas sans SP. J'aurais tenté un million. Vous pouvez retourner sur le vrai comparo et regarder les nationalités des joueurs. Euh, comment ça On peut voir. En cliquant sur les joueurs les uns après les autres, vous voulez dire ou... Je pense un par un, ouais. <laughs> Peut-être pour t'épargner du, du, oui, du temps. juste sur ceux qui ont 17 ans et 3 jours. 17 ans, 3 jours sans SP, quoi, limite. Pas ceux 17 ans et 24, là, parce que c'est ah, vrai plus vieux. Donc. Je vais les ouvrir dans des nouveaux onglets. Attendez, on va regarder ça. Et je regarde les sans SP aussi, hein, bien évidemment. Ok, on en regarde quelques-uns ici, alors. Ah là, bah, juste, justement, euh, le premier Wilfried Tamini, Burkina Faso. Et il est parti, donc attends, c'est bien lui. Est, il est parti à 157 000. Et il a plus ou moins le même TSI. Ça, ça fait un peu, euh, <laughs> bon, un peu embêtant. Ouais, c'est ce que je dis. Il, il y a de la hype sur les petits pays, mais dès que tu un buteur sans SP, ça devient vite triste en fait. Ouais, c'est ouais. vrai. Un Français. Quel, quel, même quelqu'un qui rêve du 21 et tout ça, il va se dire non, je vais pas dépenser une tonne d'argent sur un sans SP. Enfin, voilà c'est notre petit protégé mais il faut rester un peu réaliste c'est vrai non mais c'est vrai c'est vrai ok euh, est ce qu'il y a eu des prix 2 millions nous dit chef l'indois j'aurais tenté un million nous dit grand Vince. salut à ce guy aussi qui nous rejoint euh... donc on va le mettre en alors petite explication aussi pour les gens qui nous écoutent en rediffusion peut-être qu'il y a des gens sentimentaux aussi sur youtube ben, les gars faut être présent les mercredis soirs pour voter désolé <laughs> Non, c'est vrai c'est dommage mais J'aimerais eh, bien. Oui, sinon, c'est les villes crapules avides d'argent qui vont gagner. Qui sont et... présents, qui sont, bah, ils sont sur Twitch, c'est Amazon, c'est l'argent, vous savez, c'est comme ça, quoi. Non, pas du tout. Par contre, ça serait bien de trouver. Je sais pas encore, honnêtement, mais il faudrait qu'on trouve une solution parce que on est quand même bien suivi sur YouTube aussi. Il y a quand même vraiment une communauté de gens qui nous suivent sur YouTube et on va essayer de trouver. Je sais pas encore comment, mais il faudrait trouver des solutions pour que vous puissiez aussi donner votre avis. Je sais pas, je sais pas encore, mais. Euh, pourquoi pas dans des cas de figure Zéba, de toute façon, on a voté, c'est fini. Mais pour d'autres cas de figure, parfois, on pourrait peut-être faire un sondage... Euh, peut-être sur le formatric, on sait faire des sondages, peut-être demander à un modérateur. faudra voir. Il faut se poser la question. Pour que tout le monde puisse participer aussi, ça pourrait être intéressant. On va réfléchir à ça. Parce que je, je, je pense à tous ceux qui écoutent en rediffusion, qui ont leur avis aussi, mais qui malheureusement le mettront en commentaire, mais ça sera trop tard, entre guillemets. Quoi. Euh, euh, je suis pessimiste de 000 max, ok Batou, euh, salut, ouais, salut Batou, mais j'ai déjà dit salut. <laughs> salut Batou, euh, qui a d'ailleurs marqué le penalty. Euh, oui. Juste pour la mise à prix, je pense que au-dessus du million, c'est quand même un peu exagéré vis-à-vis -vis du comparo. Euh, et, et par contre, je pense que on peut tenter. Il y a El Pipito qui propose une, une mise à prix de 900 kilos euros. Euh, ouais. ça, on peut tenter. Voilà. je suis déçu, donc mise à prix ouais, 900 000 euros me semble bien, possible qu'il parte à plus d'un million on tend... ouais la 900 000... après comme dit et Kaselek le dit c'est vrai, à 200 000 ça sert à rien de le vendre ça je suis d'accord, à 200 000 autant le former et euh... et euh... et voilà, enfin il le vendre plus cher plus tard quoi dans ce cas là, mais euh... ok 200 000 mais donc ça veut dire, attendez, juste pour être sûr enfin c'est pour moi pour essayer de bien comprendre aussi donc finalement si on le vend ça veut dire qu'on garde Kozoloa en fait donc, les gens préfèrent, vous préférez garder Kozolua, chef d'orchestre, que Zeba sans SP. Hein. C'est pourrait ouais. vraiment bien comprendre, hein, mais j'imagine que c'est ça un peu l'idée qu'il qu y a derrière, finalement. Je donne l'exemple de Kozolua parce que je sais qu'il ne faisait pas sensation, lui. C'est un... <laughs> ouais, ça, ça Je me pense dire. que la, 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 la réflexion, ça peut être que Kozolua peut être vendu à un autre moment aussi, hein, quand, il y a... quand il y a quelque chose plus intéressant derrière, ou si on décide d'acheter un joueur intéressant à former avec une SP. Enfin... C'est vrai qu'il y a qui qui arrive aussi y a qui qui arrive C'est bizarre de dire ça comme ça, ouais. Y a qui Non mais c'est juste qui, quoi C'est déjà... Gens... Non c'est Arunaki. C'est vrai qu'il y a Arunaki qui va sortir aussi. Euh, rapide, passe 7 et buteur 5. C'est vrai, non mais c'est vrai. Et ça rejoint une réflexion que... que Fabio mettait sur le forum justement aussi euh, par rapport à qui qui allait sortir, etc. Donc euh, non bien vu. C'est vrai que qui là par contre, je pense qu'on est d'accord. Enfin, euh, il y a des chances qu'on le garde. Même s'il est que 5 buteurs entre guillemets, mais il est rapide et il a 7 en passe. Effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Je préfère garder Zeba que Kozoloa, par exemple, nous dit Mev, mais. Euh... Mais ça a été voté. Je pense que 900 000. Est-ce que ça vous va 900 000 dans le chat On peut tenter. On met en vente à 900 000. Et si on le vend à 900 000, on fera un bon achat pour le club. <laughs> <Des> gens... <laughs> on crame direct. Et il... il y a Kassela qui fait une remarque intéressante aussi. Il dit 900 kilos euros, ça risque pas d'être évalué. Bah, en vrai, j'en sais rien. Euh... Je, je ne sais pas. Ouais, ben, seuls seul, seul les GM ont la main sur les ré réévaluations donc à... et comme ils veulent pas forcément dire leurs petits secrets sur comment euh... vrai. comment ils réévaluent ben c'est difficile à dire je sais que dans mon expérience de manager de, de trick j'ai jamais eu de transfert réévalué j'en ai jamais eu non plus pour l'instant en tout cas euh... mais c'est que... Que... honnêtement je peut-être que un ou deux auraient pu être réévalués un jour enfin pas des joueurs que j'ai acheté moi et des joueurs que enfin qui se sont fait acheter par d'autres mais je pense que c'est passé euh, c'était pas des gros <laughs> des grosses différences non plus mais en, en le vendant je me disais tiens bon, est-ce que quelque chose va se passer ou pas et finalement non rien c'est ça Donc, a, de toute façon je pense qu'il y a peut-être des trucs qui passent des fois entre les gouttes et là où il faut faire attention c'est pas directement lié à la réévaluation mais il faut faire attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui pour nous faire plaisir. Ah non non oui, tu as raison. Achète, achète le joueur parce que là sinon ça nous met dans la merde, genre un ami qui dit "Ah, on met les 900k dessus et mais juste juste pour euh, rendre un service, ça il faut surtout pas faire." Tu as raison petit filou, mais c'est super important warning, attention. Ouais, quand on fait des ventes comme ça, il faut pas euh, l'acheter enfin idéalement, voilà, ne l'achetez même pas, j'ai presque envie de dire euh, si c'est quelqu'un de la communauté parce que oui, ça peut déjà être aussi mal vu et puis c'est pas voilà, il faut En fait on a toujours dit, pour les transferts, si maintenant, vraiment, quelqu'un le veut absolument et que pour lui, c'est le bon prix, bah pourquoi pas C'est comme ça, c'est le jeu. Mais maintenant, ouais, comme tu dis, petit filou, il ne faut pas l'acheter pour l'acheter parce que vous avez un club secondaire qui a beaucoup d'argent. Surtout pas, quoi. Non, non, tu as, as raison. C'est super important. Il ne faut pas que le club ait des problèmes non plus, d'ailleurs, <laughs> avec des, des transferts réévalués, etc. Donc euh, euh, non, donc voilà. Salut, Dundee. Dundee qui nous rejoint aussi. Euh, donc voilà. Euh, bah écoutez, on va le mettre en vente à 900 000. Est-ce que ça vous va 900 000 pour tester. T'en penses quoi, ton petit filou Ça te semble Enfin, on sait que c'est cher, hein, mais ouais, bon. Ça, ça me semble bloqué. Enfin, n'ai pas forcément d'expérience dans ce genre de vente, mais on... je pense qu'on peut tenter. Et je pense que si une, ré... une réévaluation arrive, ce n'est pas un drame. Hein. Je veux dire, si oui, oui, du moment sûr. que c'est pas un... un transfert arrangé avec un ami qui nous l'achète et... et si quelqu'un a mis le prix et que ensuite les GM trouvent que bah, c'était un peu trop, bah, voilà. Ça sera vie. réévalué. C'est ça. Avec ok, c'est parti. Est-ce que dans le chat ça vous va Mais De toute façon, oui, ça a été voté. C'est comme ça 900 000. Ça vous va Est-ce qu'on programme la vente Ou moi, ça me semble correct de le vendre aujourd'hui. Ça veut dire qu'il partirait samedi soir. C'est plutôt une bonne date, enfin, un bon moment en tout cas en Europe, samedi soir à 20h30. Oui, oui, oui c'est ok. Est-ce qu'on mettrait pas 899 000 C'est le prix psychologique, hein, c'est comme dans les magasins quand on paye 9 euros au lieu de 10. tu vois. <laughs> genre. Mais après quand tu, quand tu mets 899 000, justement, euh, celui qui voit ça, il va se dire, euh, il essaye de nous arnaquer. Ouais, <laughs> t'as que c'est 900 000. <laughs> non mais t'as raison que ça fait plus arnaque. Non, je mettrais plutôt 900 000. C est, c est carré. <laughs> genre. Non, ok, ça va, ça va. 900 000, ok, c'est bien. Non mais t'as raison, ça fait vraiment arnaque en fait dans ce cas-là, j'avoue. C'est quoi le délai pour une réévaluation Ça c'est une bonne question, je ne sais pas du tout. Marchand de tapis. Ouais, moi je suis un marchand de tapis quoi. On ne prend pas trop de risques, s'il part, tant mieux sinon on le forme. Franchement, 900 k je trouve pas ça déconnant. Oui, c'est vrai qu'en soi, c'est pas non plus déconnant, mais c'est cher par rapport au comparo. Écoutez, on le met en vente, on valide en tout cas. C'est parti. Il est en vente. Donc, on reprécise, ne faites pas d'achat. Enfin voilà, il faut pas forcer les achats, etc. On va laisser au contraire, de toute façon... S'ils si ne vendent pas, de toute façon, on le gardera, on le formera, on, enfin, on le revendra plus tard, on verra, on avisera. Donc euh, c'est bien. Si, si on le vend, on a 900 000, c'est chouette. Si on le vend pas, ça permettra de bah, se creuser la tête la semaine prochaine sur euh, ce qu'on fait, etc. Ça n'empêche qu'on est d'accord qu'on va quand même le mettre dans la composition du match amical, euh, petit philo, pour euh, ah oui, 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 Pour le sûr. former. D'ailleurs, euh, si on. Je sais pas, moi j'ai l'habitude de faire ça sur mes joueurs, c'est presque un peu maniaque, mais. Tu, tu peux marquer dans, dans sa déclaration qu'il euh, a reçu un entraînement buteur euh, en académie et entraîné en senior cette semaine. Ça veut Alors. dire qu'en réalité, c'est comme s'il avait déjà deux entraînements buteurs, un en académie et un en senior. C'est très bien. Je, si tu veux, moi je pense, euh, mon anglais n'est pas excellentissime. Donc on va demander à ChatGPT, parce que c'est oui. mieux de le faire en anglais, on est d'accord, pour toucher vraiment ah, tout du, le monde. Je peux ah, ou tu es obligé de demander Chat GPT. Hein. Tu peux marquer plus one in scoring ah, oui, vrai. in ah, ouais. IA and plus one in senior squad. Moi, je voulais écrire un roman. Tu me connais. <laughs> mais bon, t'as ou... raison. Ou alors tu mets plus comme les... les gens le proposent dans le chat, ils marquent plus 2 » directement. score plus. Que... Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je voulais écrire genre euh, bonjour, je me suis bien entraîné, euh, j'ai pris deux niveaux. Non, mais c'est vrai. Euh... Mais tu peux. Hein, si je veux dire, t'es pas obligé de faire comme euh... comme je te dis de faire ou comme le chat dit de le faire. Hein. Ch chat j'ai petit filou, on nous dit, c'est ch chat j'ai petit filou en quelque sorte. C'est vrai, c'est vrai, c'est mon intelligence artificielle. Scoring... <laughs> tu mets, euh, c'est plutôt scoring plus tout. Parce ouais, que euh, vrai. La compétence buteur, en anglais, c'est scoring. Ok, parfait. Parfait. Euh, on valide comme ça son petit commentaire, scoring plus 2. Bien vu, comme ça ça veut dire que pour les gens, euh, les gens qui vont aller sur sa fiche, ils voient qu'il a déjà plus 2 en buteur. Donc euh, C'est vrai que c'est intéressant. À, à condition qu'il ne se blesse pas en amical. Hein ne pas porter la poisse mais oui c'est vrai c'est vrai que là, là on met la charrue avant les bœufs en quelque sorte j'avoue parce que ouais tu peux te le permettre hein. si jamais y a... enfin on vient de le mettre en vente le match il est dans quelques heures <laughs> si jamais il y a un changement ben, tu rectifieras oui c'est ça c'est ça on va quand même jouer le, le jeu OK parfait bah écoute on va passer à l'amical de toute façon bon l'amical euh, à mon avis on sera sur euh, une tactique, genre le 2-5-3 peut-être à monter encore. Je sais pas ce que t'en penses, mais elle est à 7, hein, comme on l'avait joué en championnat. Oui, oui, c'est ça. L'intérêt, c'est de l'avoir vraiment à dispo pour les matchs de ligue qui y suivront. Il et et n'y a pas à flancher 2-5-3. C'est ça, 2-5-3. Les buteurs, c'est quasiment tous les mêmes, sauf qu'on va... Ah oui, donc on va virer... Ah, attendez, ouais, mais dans ce cas-là, on vire... Alors, qui, qui a joué samedi Alors samedi, qui a joué C'était Dabo, Newmu et Brinker quoi, on va, on va repartir de zéro dans ce okay. cas, c'est vrai que c'est parce que euh, j'ai pas envie de faire d'erreur, donc... Oui, de toute façon, c'est un amical. C'est un amical, c'est ça. Peu. En fait, on met juste... Rab... Comme ça, on met Rabier. Et c'est vrai qu'on avait mis Bouchlal, en fait. Ça, on avait changé par rapport justement d'habitude. En défense, Battery est toujours blessé. Donc on va mettre Caboret, Traoré. Euh... De toute façon, c'est un 2, donc euh, un truc dans ce style. Ok. On va mettre les buteurs, je crois que c'est le plus important. Comme ça, c'est fait, en tout cas au niveau de l'attaque. Donc Sanogo, il a pas joué. Pourquoi il a pas joué Sanogo euh... On l'avait pas mis. Il était pas suspendu ou un truc comme ça. C'est possible, ouais, possible, ouais. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Suspendu, c'est possible, ouais. Zeba, dans ce cas-là. Mm -hmm. Et on a Gira. Attends, je vérifie qu'il ne manque pas quelqu'un. donc Dabo, il a joué. Newmu a joué. Brinker a joué. Je euh, hum, Ko... peux mettre Gira. Mais Kozoloa, dans ce cas-là, on ne le fait plus jouer, tu vois. Alors... Que je te propose, c'est de. Tu les fais jouer, mais tu les fais jouer en position de milieu. Pour qu'ils aient quand même un entraînement d'osmose. Ok. pour important, l'osmose. C'est ah important, entre guillemets, parce que c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. C'est quoi l'entraînement d'osmose, pour ceux qui ne connaissent pas au cas où, euh, en deux mots Enfin. Euh, quand. Euh, pour tous les entraînements, sauf l'entraînement gardien. Euh, quand un joueur joue un match mais pas au poste entraîné, il reçoit un entraînement d'osmose. Et l'entraînement d'osmose, si, ça, ça dépend de quel type d'entraînement, mais ça représente entre 12 et 15% de l'entraînement total. Euh... Donc par exemple, si on fait jouer Sanogo, il, progressera de... il aura reçu un entraînement en buteur et si Kozoloa joue... Un autre poste, il aura reçu 0,12 entraînement buteur. C'est ça, 0, ok. 15. Ce qui est quand même important. Je enfin, n'ai hein, pas le chiffre exact. Bien sûr. Attends, juste euh, ouais, merci à Trick Direct. Hein. Uh, thank you and uh, see you qui, qui doit partir. Et, donc voilà, Trick Direct. En tout cas, on peut les remercier qui ont fait en plus un peu plus pour nous. Donc oui, c'est ça. Donc l'entraînement dans ce mode, en fait, touche un peu voilà, les joueurs, comme tu dis. Euh... Donc Kozola, en fait, va prendre 12% dans ce cas-là, quand même, d'entraînement, en fait. Voilà. Et, et de la même manière, comme euh, comme euh, euh, Grand Vince l'a dit, c'est euh, aussi la même chose pour Tahiru. Il faut l'aligner. Puisqu'on espère que petit à petit, il aura 9 buteurs. On le vend à ce moment-là. Ouais. Ça de le On peut mettre Tahiru de la même fait, manière. C'est quand même plutôt pas mal. Effectivement. De toute façon, en plus, on n'a pas 1000 joueurs. Donc euh, ça tombe même bien, finalement, de les mettre euh, dans ce cas-là. Ouais, ouais. La Misana. Euh, euh, J'avais encore un truc en tête, mais ça m'a échappé du coup. Euh, Placer joueurs en attendant. Hein. Ah ça. oui, oui. Une, une anecdote par rapport à Cochon Star euh, qu'il qu a raconté. Euh, au début, il entraînait gardien et il pensait que les autres joueurs qui n'étaient pas alignés en gardien euh, progressaient en osmose en gardien. Quand ah. il a entendu parler de l'entraînement osmose. <laughs> Sauf que l'entraînement gardien est le seul entraînement où les autres joueurs sur le terrain ne prennent pas d'entraînement osmose. Donc lui, il avait quelques gardiens qu'il qui alignait en joueurs de champ en pensant que ça les ferait progresser, mais en fait non. <laughs> ouais, mais comme quoi, il y a des subtilités, tu vois, quand on les connaît pas, on peut faire parfois ouais. des petites erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas mis On n'a pas mis Vikera, mais il est blessé, donc on ne peut pas le mettre. Euh, Rotilène, il avait joué. Ah, Bonny. Ouais, ce n'est pas le meilleur milieu. Attendez, je regardais. Traoré, il est quand même sur l'aile, c'est quand même pas mal. Euh, la Misana. On pourrait peut-être mettre Bonny à la place de la Misana. C'est quoi les caractères de Bonny Bonny, c'est euh, 7 constructions, 6 défense. Et, et, attends, ouais. et la mise on est sur du 6-6 et 5 passes. Et Traoré euh, Traoré, il est où, Traoré. Ici, il est défense honorable. Lequel des Traoré Parce qu'en fait, il y a deux Traoré. Ah, pardon. Euh, et il est l'autre Ah, oui, ici, pardon. Il est honorable et lié. Donc celui sur l'aile, il est honorable élié ouais, et lié. l'aile de garde. Départs. Et le, le défenseur, tu disais Il est 7 euh, défenses. Et 4 constructions. Euh, ouais. euh, et caboré juste pour finir. Pour faire le tour de. Caboret, c'est 6-6-6. Ouais, c'est ça. 6-6-6. <laughs> ah, le choix est délicat. Hein. Ouais, tu vois, il y a, a, a un ouais, vieil. Moi, a je mettrais. Traoré, Traoré en remplaçant défense. Enfin, le, le 12, là. Et, bon, et tu mets Boni à la place. À cause de l'aspect, en fait. Ok. ouais c'est vrai qu'il y a l'aspect rapide, effectivement. Tundi nous dit « Cochon joue la finale de Consolate en Maroc ce soir. » Excellent Après, il a une bonne équipe au Maroc. Hein. Il a formé des joueurs et tout, c'est vrai. Je ne savais pas, mais c'est cool. J'espère qu'il... Je ne sais pas qui il affronte, mais en tout cas, j'espère pour lui qu'il qu l'emporte. Ce serait chouette. Euh... 2-5-3. Donc là, on est bien. Et euh, bah, maintenant... Euh... Coup d'air, ouais, de toute façon, coup d'air, lui, il n'y a plus rien à en tirer. On va mettre Gilbert en extra, ça fera ouais. plaisir au fan club. Mm -hmm. Et sinon, là, on va mettre... Euh, euh... Oui, dis-moi. Peut-être que tu peux mettre, euh, pour rigoler, enfin, je ne sais pas si tu veux que Béz joue un match, hein. je pourrais <laughs> mettre Béz en remplaçant attaquant. Alors tu vas dire, quelle horreur, J'ai pas envie de l'entraîner en buteur, mais il n'y a pas de problème. Tu programmeras un échange de poste avec Pozoloas si jamais baise rentre. Tu veux... Ce que je veux dire. tu veux faire un peu une l'ec ou quoi Genre une, tu sais, une. En fait, le, <laughs> le, 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 le principe que, que j'utilise souvent en académie ou en club, c'est que tu as deux joueurs attaquants qui prennent de l'osmose, mais ils sont au milieu de terrain. Donc si Zeba se blesse, par exemple, c'est ni Kozoloa ni euh, Taïrou qui sont à la place. C'est vrai. Et donc je mets un joueur quelconque en remplaçant attaquant, sauf que je précise que. Si ce joueur quelconque rentre, parce que un des trois attaquants est blessé, il échange immédiatement sa place avec l'attaquant que je veux réellement entraîner, par exemple Kozoloa. Et dans le rapport de match, ça sera comme Kasselek a fait avec Copain quoi, en gros on le verra rentrer et sortir direct, c'est ça? Euh, pas rentrer, sortir, rentrer et échanger sa place. Ah oui, et, et oui il échange oui, avec vrai. le joueur qui nous intéresse pour l'entraînement. Mais je vois Jack Katox qui est, je pense, euh, dans le fan club de Gilbert, qui trouve que c'est une bonne idée. Mais c'est vrai, pourquoi pas, ça peut être l'occasion. C'est une bonne idée. Il sert un peu de remplaçant. C'est toujours pareil, c'est des trucs un peu improbables. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, il y a une chance sur 20 ou sur 25 ou sur 50 qu'un joueur se blesse, mais le jour où tu as un match où l'attaquant le... se blesse, le truc qui se met en place pour que ce soit quand même un, un autre joueur intéressant qui, qui reçoive l'entraînement. Ah, ça bien évite d'avoir de l'entraînement perdu. Eh ben, on va faire ça euh, très bien. Il euh, faut juste espérer que ce n'est pas Zéba qui... Enfin, même oui. qu'aucun ne se blesse quand même, ce serait mieux. Mais bon, on va faire oui. ça, c'est une bonne idée. Ouais. Au passage, euh, Grand Vince propose euh, une autre chose que je n'utilise pas perso en club, mais que euh, plein de managers utilisent aussi. Il Le problème dans, sur Attrick, on ne peut pas faire des changements à la 90e. Enfin, je veux dire à la, à la 90e avant les arrêts de jeu. Parce que sinon, on pourrait dire Sanogo, Zeba et Guira, on les change à la 90e. Mais en fait, ça, ça ne marche que s'il y a des prolongations. Donc, on peut, pour gratter de l'entraînement des arrêts de jeu, euh, il faut faire l'échange de position à la 89e. Alors, l'avantage, c'est que du coup, on... par exemple, s'il y a 3 minutes d'arrêt de jeu, euh, Kozoloa ou Tairou peuvent jouer, avoir 4 minutes d'entraînement buteur assuré. Par contre le désavantage c'est que on n'entraîne plus à 100% les trois mmh. attaquants, on les entraîne que à 99%. OK. Je sais pas si tu vois la nuance. <laughs> ouais. Là on joue sur très fine, mais... Ouais, c'est ça, on joue sur les, les petits détails mais OK. Et euh... il faut des arrêts de jeu nous dit Canary. Salut Canary. Euh... Exact. Ouais, c'est ça aussi. Euh, en général, il y a des arrêts de jeu sauf si c'est un match avec euh, peu d'occasions. Donc euh, typiquement les matchs joués en pressing vs pressing, pour les qui nul nul, ça arrive souvent que ça siffle à la 90e, sans arrêt de jeu. Euh... <laughs> L'enjeu sur les chiffres. Ok, ok. vois <laughs> bah ouais. euh, je, je termine la compo. Euh, oui ben... oui t'as raison parce qu'on on discute on discute mais <laughs> non, pas, non mais Entends. discuter c'est bien c'est bien c'est ça qui est chouette on mais je, sais... Leur <laughs> je sais pas qui mettre bon après ça c'est pas grave tu vois mais je dis comme ça bon euh... je pense qu'on va mettre c'est quoi on mettrait pas coup d'air partout en fait euh, parce que limite euh, y a... on a plus de joueurs en fait et j'ai pas envie de blesser des titulaires potentiels pour le week-end il y a plus de joueurs qui n'ont pas joué c'est ça euh, c'est oui c'est ça bah y en a un qui est blessé et, euh, et c'est tout. Et c'est tout. Donc euh, et un autre blessé. Effectivement, donc, euh, oui, mais, mais coup partout. On met coup par, coup partout. C'est vraiment pas le, le couteau le plus aiguisé, malheureusement. Et... Il perd beaucoup de caractère mais okay. voilà quoi. Et de la même manière, tu peux mettre Traoré derrière euh, tous les autres. Euh, Traoré, ouais. Ou pour éviter que ce soit. C'est aussi du, du micro détail, hein, mais c'est pour éviter que ce soit Baise qui rentre s'il y a un deuxième blessé après coup d'air. Oui, c'est vrai. Et ensuite, il y a un troisième blessé. Ouais, non, t'as raison. Attaquant <laughs> et que du coup, le, le truc avec Baise ne marche plus. Bref. Effectivement. Et, et Grand se rajoute, effectivement, si on fait l'échange de position à la 89e, c'est 99% plus une minute d'osmose. <laughs> ouais, bon, ok. Donc, effectivement, on perd quasi rien. Ok, on sauve la compo et on met en place le changement stratégique que tu disais. Donc, s'il y a un, ouais. euh, un attaquant blessé, Gilbert monte et, remplace sa, et change sa place avec Kozoloa, euh, qui lui, Kozoloa deviendra buteur. Donc, comment est-ce qu'on fait ça On va dans Ordre Collectif, nouvel Ordre Collectif, et c'est, euh, Remplacement Attends. Non, échange de. Échange poste. de poste. Ok, ouais, c'est ça. Attends, donc, échange de poste. Donc. Euh, je te laisse faire ou je te dis que non vas-y vas je vais essayer. je peux le faire je peux le faire je crois que la semaine dernière je l'ai fait d'ailleurs moi j'ai dû être aidé un peu par le chat hein. donc déjà attends on va juste faire euh... expulsion donc dans le cas d'expulsion d'un de mes attaquants euh, non c'était pas ça l'idée ici non c'est pas ça, bah, ça... Euh, non mais tu blessure mélanges, tu mélanges deux trucs en fait il faut pas mélanger le cas avec la blessure et le cas avec l'expulsion les deux sont à programmer à ok avis, mais les deux sont différents donc attends, on le refait, on le refait. Donc on recommence. Donc échange de poste. Moi je viens de l'aide, je... mon cerveau il est embouillé, tu vois, je n'arrive plus. Okay. Donc on échange de poste, donc j'imagine euh, euh, Baze et non, vas-y dis-moi, <laughs> ce sera plus simple. Oui ok, Mais Baze et Cozzoloa. Donc tu mets les deux sur les deux slots. Voilà. Donc Baze et la minute zéro, Minute zéro, Ok. Voilà. Euh, bah, je vois encore euh, renseigner expulsion d'un de mes attaquants. Ah euh, non non oui, oui non non. À euh... ah, comment on leur tire Je crois que c'est tout en haut. Je le vois pas là parce que. Ah oui mais haut, non. Écoute j'ai pas l'option tout en haut. Attends t'es quoi Mais si y a, leur il fait. y a un truc ignoré. Les... Ah. Non mais je te jure que non. Okay. Là je te promets qu'il y avait pas. Attends changement d'ordre. Euh, non pas non pas ça. Pardon. On va y arriver. Échange de poste. Euh... Donc non, Gilbert. Ah oui. Non, mais je refais parce que je te jure que je n'avais pas l'option. Hein. Vraiment. Euh... Ok, oui, voilà. Oui, je te crois. Euh... Ok, et ça, tu, tu laisses comme ça. En fait, ça veut dire que quand Baze rentre, auto et comme il, comme il est que remplaçant en attaquant, il peut que rentrer en attaquant. Donc si un joueur se blesse, Baze rentre, et Baze, re Baze échange automatiquement sa place avec Cause de loi. Okay, ça. ok, ok. Euh, ouais, désolé, j'étais en train. Parce que j'ai lu le message de Grand Vint aussi dans le chat qui disait 5-5 en finale ah, de Coupe non. du Burkina. Mais donc, Grand c'est toi qui es en finale J'ai même pas vu. Parce que dans ce cas-là, on peut suivre le match aussi sur un onglet à côté. Enfin, euh, euh, bref. Ah, il n'est pas en mode Coupe amical Tristesse. Ah, oui. Bon. Bon, pour les prochaines fois, faudra faire ça, ouais, en mode Coupe, ok. Oui, en fait, même si tu fais ça contre une équipe qui ne fait pas de qui nul nul, organise toujours en mode coupe, parce que je crois qu'il y a un tout petit peu plus de recettes, même si c'est vrai. vraiment rien du tout. Et en plus, si jamais par miracle, tu termines sur un 4-4 ou un 3-3, euh, ben, tu peux avoir de l'entraînement supplémentaire en prolongue. C'est vrai. Euh, non, je ne suis pas en finale, en finale de trophée euh... la semaine prochaine. Ok, d'accord, ok, autant pour moi. Oui, donc euh, Bess qui rentre à la place de Kozoloa, ok. Voilà. Ensuite, deuxième changement, c'est pour l'expulsion. Donc, tu peux mettre euh, un changement d'ordre. Donc, euh, Kozoloa oui. qui va en attaque. Il euh, faut mettre la minute ou pas Ça, je sais jamais. Non, 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 pas, non, de, ça, minute. pas de minute. Ok. Donc, euh, non, c'est pas... C'est dans euh, conditions avancées. Conditions avancées. Et donc on le met en attaque si expulsion d'un de mes attaquants, on est d'accord. Oui. Expulsion, donc voilà. Donc Cozoloa, en attaque, expulsion d'un de mes attaquants. Ok, donc Kozoloa, euh, ça c'est bon. Et ensuite, si tu veux, tu peux faire comme l'a dit Grandvin. Je sais pas si tu veux faire un vote ou si on le fait parce que c'est que cool. On peut faire effectivement un échange de poste à la 89e. Pour deux attaquants, euh, par, exemple, euh, par exemple Sanogo et Guirard, et leur faire échanger la place avec Taïrou et Kozoloa. Hein. À la 89e. Bah, on peut le faire, quoi qu'il arrive. Si tu veux le mettre au vote, ça met égal. Euh, vous en pensez quoi On va faire d'abord à main levée et si on voit que c'est trop débattu ou qu'il y a des oui, des non, des oui, des non, on... Euh... Mais je pense que les gens vont dire oui dans le chat juste pour me voir galérer avec les, les ordres conditionnels, hein, c'est sûr. <laughs> tu vois, je les connais quoi. <laughs> Parce que là, moi, je, mon cerveau, il va exploser là, à ce moment-là si on fait ça. Mais tu vas me guider, donc ça va, tu vois. Merci, un petit filou. <laughs> euh, Bess, question du coup. au chat. Est-ce qu'on fait des échanges de positions à la 89e Oui ou non voilà, déjà dites-nous dans le chat. Si c'est trop compliqué, les oui, les non, on fera un vote. Mais euh, si maintenant tout le monde dit oui, tout le monde dit non, on est bien quoi. Et Pépito qui dit oui, Thomas, bonjour tout le monde, salut Thomas. Euh, je vois que tu as un invité, vous avez déjà fait quoi Ouais, euh, Petit Filou qui, euh, qui est bien épaulé pour euh, Zeba. Euh, on a sorti Zeba du centre de formation et on l'a mis en vente à 900 000, qui est un transfert super euh, surévalué entre guillemets, mais on verra. Donc euh, voilà, en gros le résumé euh, est là. Oui, 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 oui. oui écoute bah voilà donc euh, pourquoi pas donc ça a l'air plutôt ok pour, euh, pour, euh, pour faire ça ok donc tu, euh... ju juste une petite suggestion aussi euh, si t'as pas envie de te taper tout le temps les ordres etc sachant qu'on aura une série d'amicos, une fois que tu mis tous les ordres enregistre la compo par défaut oui c'est vrai comme ça tu auras les ordres automatiques et après il faudra juste modifier éventuellement les joueurs qui sont sur la feuille de match, mais en sachant que tu garderas toujours taïrou et Kozoloa. et enfin tu garderas normalement les mêmes attaquants et les deux mêmes attaquants qui jouent en milieu et avec les mêmes échanges etc. C'est vrai. Et les mêmes conditions si blessés et ainsi de suite. Ok, bah écoute donc dans ce cas-là, là on fait un remplacement. Ah euh, non attends non non pas du tout c'est euh, un, un échange de position ouais ça échange de poste. Donc par exemple taïrou Attends, c'est juste pour bien comprendre. Donc, c'est Taïru à la place de Sanogo, c'est ça Ouais. Et, et Kozolo à la place de Gira, c'est ça qu'on va faire. Voilà. Après, en fait, euh, c'est. Oui, peu importe. Il faut choisir deux attaquants parmi les, oui. les trois. La 89e. 89e. Ouais, et. Euh... et euh... Même copi... Ah oui, c'est vrai qu'on peut le copier. On pourrait même ouais. plus copier l'ordre, tu vois, faire une copie et simplement remplacer les deux noms des joueurs kira c'est ça en fait ouais voilà 89e 89e ok et voilà. euh, parfait on est là on est bien au niveau de la compo donc comment sauver ça on va dans analyse et on met enregistré en tant que composition par défaut pour les matchs amicaux c'est bien ça on sauve ici et on resauve quand même pour être sûr que c'est bien sauvé quand même Mais là, là on est bien donc là la compo elle est sauvée et une petite idée Petite oui. idée perso, juste vu que déjà, de toute façon, on ne fait pas un qui nul nul, euh, mais je créatif. Ouais, Parce que fait. plus il y a d'actions dans un match, plus la probabilité que les arrêts de jeu soient longs est grande. Ok. Donc euh, peut-être, s'il si y a des actions, des SE, etc., avec notre match animé, peut-être qu'il y aura 4 ou 5 minutes d'arrêt de jeu. Et donc, ça fera un peu plus d'entraînement gagné. Ok, on gratte un max, mais c'est bien, c'est bien. Ça veut dire qu'en fait, typiquement, ouais, euh, Taïru, Kozoloa vont gratter un peu plus, quoi, potentiellement. Voilà. Bon, c'est vraiment des pouillems. Hein, <laughs> ouais, en fait. c'est ça. À ce stade-là. Gigi euh. euh, Antis qui dit le mode coupe, ça a son petit côté. 30, ça a son petit côté. 30 minutes pour blessure potentielle, c'est vrai que ça, c'est le risque, bien sûr. Euh, mais je pense que par rapport à l'entraînement reçu, à mon avis, il n'y a pas photo, ça vaut quand même le coup. Je suppose, en tout cas, si on a plusieurs joueurs au même poste. Et toi Thomas, oui en effet le comparo dirait plutôt 500k pour notre buteur. Mais moyen qu'il passe excellent. Euh, on n'a pas des masses de sp pour avoir des se par contre. Attends c'est vrai Et attends on a une super sp chef d'orchestre oui. hein, quand même au mieux faut pas oublier. Mais après ça peut être le ça peut être l'adversaire aussi qui a des sp. C'est vrai, bah, vrai. Et qui déclenche des... des se et de toute façon c'est pour une ou deux minutes d'arrêt de jeu. Voilà. Je sais juste que en pressing, s'il n'y a pas beaucoup d'actions dans le match, euh, les arrêts de jeu, il y en a pas. Donc, euh, voilà. Après, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est intéressant parce que même si pour notre match ça s'y prête pas, il y a peut-être des gens pour lesquels euh, le conseil-là peut marcher pour aussi d'autres matchs. Donc c'est quand même bien d'avoir le, en tout cas, de... que tu aies spécifié oui. ça. En fait, c'est ça qui est drôle sur Atrix c'est qu'il y a toujours des petits détails auxquels on peut essayer de réfléchir, auxquels on n'aurait pas forcément pensé non plus. Clairement. D'ailleurs, clairement. Et voilà. ok donc pour le match amical c'est fait je pense qu'on peut passer au match de championnat de samedi gros gros match euh... on a passé presque plus de temps sur le match amical ouais, et... ouais. que sur... là on fait le match de championnat en deux minutes ok vite fait Hop, compo par défaut c'est ouais. bon <laughs> <Le> truc... <laughs> le truc pas logique quoi on vote 2-3 ouais, ouais. et c'est fini alors, non, bah, alors déjà bonne question comment est-ce qu'on va jouer donc déjà peut-être regarder notre adversaire c'est quand même un match important euh... Euh... le eh, regarde que... le calendrier aussi parce que je ne connais pas du tout notre calendrier. Alors le calendrier, c'est vrai qu'on l'a vu la semaine dernière mais je t'avoue que je ne rappelle plus exactement de tout. Donc, regardez ici, donc, on joue face au Plux, donc qui est juste après nous. Après on joue contre TP Pilzem. Ça c'est les derniers avec 0 points mais... à préciser qu'ils ont quand même une équipe, tu vois. Ce n'est pas, pas un bot, attention. Il y a quand même une petite oui, oui, équipe. Oui, oui. Et, euh, on Et on les joue à l'extérieur. Et mmh. on les joue à l'extérieur. Donc quand même à faire attention. Bon, on espère pas donner les premiers points, ce serait quand même bien. Après à domicile contre Jessica Girl qui est un peu aussi euh, un concurrent avec nous aussi pour les quatre premières places. Et après Burkina CX à l'extérieur, ça c'est le quasiment le champion euh, potentiel euh, du championnat. Donc ça va être très difficile. Donc voilà en tout cas par rapport au match. On va dire Franchement les trois prochains matchs sont euh, très importants pour nous. Parce que c'est vraiment des en fait des rivaux euh, oui. directs, des concurrents directs. Et, et fait voir euh, où en est notre état d'esprit sur la page du club. Alors, notre état d'esprit est à... Euh, content. Et conf confiance en soi mauvaise. ouais. c'est vrai qu'on s'est pris un peu une branlée. Oui, <laughs> la confiance en soi, il y a mieux. C'est -ce que... quoi les employés qu'on a de nouveau On n'a ouais, pas de psy, je pense. On a... Euh, non, deux adjoints, un médecin, un préparateur physique. Ok. Oui, <laughs> euh, donc euh, allons sur euh, l'autre équipe pour voir un peu là où l'autre match qu'est ce qu'elle a sorti ouais on va regarder ça Attends, on va prendre j'aime bien prendre l'équipe quand même comme ça on va prendre quelques matchs je pense qu'on prend c'est un match à l'extérieur et deux matchs à domicile ah oui il y avait notre match euh... oui qu'on le dit crédit c'est vrai le match aller on pourra voir un peu comment on l'avait joué donc euh, la semaine dernière il a joué en 3 5 2 je buguais ce que je voyais Sanogo au but, mais oui, c'est son Sanogo, c'est pas notre Sanogo en attaque, enfin oui. Ok, euh, à domicile, il a joué en 2-5-3, mmh. et, euh, et contre nous, il avait joué en 3-5-2. Donc on est sur du 3-5-2, 2-5-3, sur du milieu de terrain en tout cas, il fait à domicile un milieu de terrain à, généralement à 8. Alors, euh, oui. regarde non. les notes à la minute 0. Perso, oui, je regarde jamais les notes à la fin de la mais as raison. Je regarde les notes à la minute 0. T'as raison. 8-25. Ensuite, je regarde à... comment ça évolue éventuellement. 8-25 au milieu. On est sur du 9-9-9. quasiment du 10 en défense. Donc ça, ça va être très difficile à passer ça. Par contre, une attaque plutôt euh, un peu plus. Euh, euh, plus faible, entre guillemets, on va dire. Mais euh, grosse défense. Hein, grosse défense et milieu, euh, gros milieu aussi. Euh... Et. Euh, et... Sur les autres matchs, ça donne quoi Pareil, est-ce que tu peux regarder les matchs à, à fait. la minute 0? Tout à fait. Euh, attends, ça c'était son... 2-5-3. Donc le 2-5-3, ça donne quoi, la minute 0 On est sur du 8 au milieu. Sur forcément, on est sur du 7-8-6. Euh, et là, il peut sortir tu vois, une attaque centrale à 9.5 dans ce cas-là. En 2-5-3. Mmh. C'est vrai que potentiellement... Euh... Il faut quand même faire attention, mais heureusement, on peut avoir une défense hein, maintenant. On a fait les achats, etc., donc euh, on peut avoir une défense. Et son dernier match euh, en 3-5-2, bah là, à mon avis, on sera aussi, j'imagine, sur du 8 au milieu. Euh... Bah, quoi que c'est à l'extérieur, pardon, c'est à l'extérieur, donc du 7-25. Et on est toujours sur du... Ouais, là, c'est du 9 en moyenne en défense. Et, euh, et l'attaque centrale, euh, il est en quoi Il est en 3-5-2, ok. Il y a quand même une attaque centrale qui peut arriver à 8-9, hein, donc euh, à se méfier. Est-ce que tu peux regarder vite fait aussi son entraîneur pour voir quel il a euh, l'entraîneur c'est euh, style le jeu qui est en moment de chef inadéquat, ouais. Oui. OK. Euh, bon, il est... comme il joue à l'extérieur, peut-être qu'il osera pas jouer en 2-5-3. Et je, je le connais pas assez, c'est pas en regardant trois matchs que Non non, bien sûr, bien je sûr. peux être sûr de ça mais c'est potentiellement pour jouer en pour que lui joue en 2-5-3 à l'extérieur il faut qu'il se sente un peu fort je pense peut-être que ce n'est pas le cas euh, du coup on peut regarder dans la compo ce qu'on peut faire comme note Canari qui nous dit tu as regardé s'il y a une tactique euh, t'entends quoi Canari part s'il y a une tactique euh, de son côté ou enfin ou de notre côté nous, de, au niveau... de son côté, s'il joue attaque sur les ailes, créative. Ah oui, attaque... Euh, oui, attaque oui, attaque ok. Ok, euh, attends, on va regarder, effectivement. On va reprendre les trois derniers matchs, comme ça, on va regarder. Peut-être attaque au centre, ça serait peut-être une possibilité à voir. Euh, ouais, Ploukske... Attends, c'est bien que Ouais, que semble délaisser les ailes pour se concentrer sur l'attaque au centre avec un niveau 16 extraterrestre. J'imagine que... Euh, pareil ici, 15 titanesques euh, au centre. Et ici... Euh, ah, face au crédit il l'a pas fait. Ouais, enfin, sur le match aller, il l'a pas fait, quoi. Mais donc oui, généralement, il joue au centre, en tout okay. cas. Il attaque sur le centre. Ok. Euh, donc on va déjà revoir ce qu'on peut faire, nous. Alors on va, on va, on va repartir de zéro. Moi j'aime bien partir de zéro, mais je sais que Tifilo aussi, t'aimes bien repartir de zéro euh, <laughs> pour la compo. Merci. Donc au niveau du gardien, alors on, a, on essaiera d'adapter éventuellement euh, par rapport au, à la forme, etc. bien évidemment. Euh, Bouchlal, Rabier, je pense que les deux euh, se valent. Euh, il a l'air de mettre Bouchelal qui serait un peu plus euh, en forme. Ouais, il est en forme 6, donc pourquoi pas pour l'instant. De toute façon, les gardiens, on, on, si tu veux bien, on regardera... Euh, euh, pour regarder ça à l'IRL. <laughs> Samedi, on fera un petit point, 10 crédits pour voir euh, si on change les deux gardiens de place ou pas. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, bah oui, vrai que le samedi, on se verra le samedi. On pourra en discuter de vive voix le samedi. Il y aura Canary aussi, d'ailleurs, qui est dans le chat. Et je crois que c'est tout, entre dans les gens là. Donc, oui, petite précision c'est vrai que vendredi, il n'y aura pas d'émission parce qu'il y a l'IRL. Normalement, c'est samedi et dimanche l'IRL, mais je crois qu'il y a Alpa qui vient déjà le vendredi soir. Donc, euh, je vais l'accueillir. Mais il arriverait en plein milieu de l'émission si on en faisait une. Donc, malheureusement, on ne pourra pas en faire. Je crois qu'il arrive à 9h30, un truc comme ça. Euh, Chocho, je vous laisse, je vais regarder le match IRL. Bonne soirée, merci beaucoup d'être passé. En tout cas, Chocho, n'hésite pas les mercredis et les vendredis, sauf ce vendredi, on est toujours présent Donc, euh, si tu passes dans le coin, n'hésite pas à nous dire bonjour, ça fait plaisir en tout cas. Donc, ah oui, attends, euh, en fait, l'idée c'était de partir. Donc, déjà, 3 attaquants, c'est sûr, mais est-ce qu'on partira en 2-5-3 En 3-4-3 en... On peut voir après, parce qu'en 2-5-3 et 3-4-3, il n'y a pas une grosse différence. Ok. Après, choisissons déjà les 3 attaquants. Ok, 3 attaquants qu'on mettra donc Sanogo. Euh, Sanogo et Dabo, en tout cas, c'est les deux, il euh, n'y a pas photo. Et après, bah, Nyumu, aussi pour l'attaque en costaud, pourquoi pas hein. On ne sait jamais. Ouais, ouais, Nyumu, euh, mais Nyumu. Clairement. Sanogo et Dabo aussi, quand même. Il n'y a pas de spé, je sais que tu aimes bien les spé, mais bon, là, euh, on va faire. Avec. Oui, on ne peut pas, pas tout avoir. Après, euh, euh, a, mais, mais, juste pour voir la différence en notes, si tu mets Ira qui est. Forme 8 sur Dabo, juste pour voir ce que ça change en note. Attends, alors avant de faire ça, euh, j'aime bien te mettre comme ça, voilà. Comme ça, ça se sauve. Donc, euh, guira à la place de Dabo. On perdrait 0-5 au centre. Ouais, ok. Ouais, tu peux lasser Dabo, il hein, n'y a ouais. pas de problème. La, la seule chose qui pourrait faire changer, c'est un changement de forme à la match -form, mais C'est ça. Un... Ils sont plutôt en forme, à nos buteurs. Hein. Franchement, on s'en sort bien. Hein, tu vois, forme excellent forme honorable, forme honorable... Excellent, excellent. <laughs> Tous les jeunes conformes, ils sont Je ah, Je veux pas faire. dire qu'il n'y a pas de mérite, mais on a un préparateur physique, C'est euh... vrai. C'est vrai, quand même. On va dire que le préparateur physique fait son job. <laughs> c'est vrai. Non, mais c'est vrai, on le paye pour ça. Et Brinker, c'est vrai qu'on peut tester aussi Brinker pour voir joueur de tête. On perd 0,5 aussi au centre avec Brinker. Mais il y a l'aspect, tu vois. C'est toujours ça à prendre en compte. Ok, pour l'attaque, milieu de terrain. Euh... On a quand même des bons milieux de terrain maintenant. J'aime bien, tu vois. Owerks, lerschmüller. Euh, Enza Jigua aussi, avec Koufran euh... Katsarov, c'est plutôt le défenseur. Ok, euh, okay bon, oh, déjà, je pense que Owerx et Lerschmuller euh, au milieu, en tout cas. Ça se dit un début. Mm -hmm. Et après, euh, sur les ailes, il nous propose qui Ouais, sur les ailes, c'est toujours un peu plus faiblard, on va dire, quand même. <laughs> on a Caboret, tu vois. Alors, franchement, quand tu vois Caboret sur les ailes <laughs> par rapport aux autres joueurs, ça fait un peu mal. Oui, c'est parce qu'il y a l'autre attaquant qui est blessé. Il est blessé combien là Je vois pas bien. Plus un euh, Vika, ouais, plus un, plus un. C'est vrai que il y a peut-être un monde où il sera plus blessé. Il euh... faut voir ce week-end. On peut le savoir. Regarde dans l'historique des performances de l'attaquant. Enfin, il faut aller sur la fiche de l'attaquant, historique des performances. Euh, historique des performances. Il s'est ouais, blessé. Il faut regarder l'ordre. Du... Il était plus combien plus lors deux. du dernier match de ligue. Plus 2. De... Ouais, il sera plus 1. Un... Tu parles du match de ligue euh, Ah non, pardon, euh, celui-ci tu parles... Ah oui, non, il était plus 1 lors du match de ligue, pardon, pardon. Donc il sera en pansement euh, pour le prochain match. Ah, donc c'est une donc, bonne nouvelle. Tu, tu peux le tester dans la compo. Ok. Euh, euh... Vikera. On le mettrait alors plutôt du... Bah, les deux côtés sont aussi performants l'un que l'autre, hein, donc euh, ok ici. Fais voir, il a combien en construction là euh, Vicera. il a 9 constructions, ouais, formidable. Tu peux même le mettre d'office vers le centre. Ah. Ok. Ok. Et... J'aime bien, parce que comme ça on voit bien on la différence. De... Hop, hop, voilà. Comme ça on monte le milieu de terrain à 6.5, ok. Et... Euh... L'adversaire a quand même un milieu qui n'est pas... pas complètement dégueu, donc euh, <laughs> si, on veut... <laughs> si on veut rivaliser au milieu... Euh... Et ouais, les, les ordres de ce genre peuvent être euh, importants. Clairement. clairement. Euh, ce qui est bien, c'est qu'on a des défenseurs aussi avec un peu de construction. Donc il y a peut-être moyen d'arriver au 8 en milieu, ce qui serait intéressant. C'est-à-dire qu'on pourrait vraiment... Euh... Bon là, on est, en, on est aussi pour l'instant en normal aussi. On n'a pas, euh, pas pixé pour ouais. l'instant, donc euh, c'est ce qu'il faudra voir. Euh... Caboret sur l'autre elle. Hein. Ah ou en défense Qu'est-ce qu'on a en défense Peut-être l'autre elle, pour l'instant, tu, tu peux d'abord mettre les défenseurs. On a on euh, deux, en, tout en tout cas on a Gaetanopoulos qui a de la construction honorable et défense 13. Costo, on pourrait marquer un joueur aussi adverse. Et on a euh, Katsarov. Okay. On peut déjà aussi le mettre ouais. hein, comme ça, avoir un Les peu. deux ont leur place en défense centrale et pas de problème. Clairement. Euh, et ce, -ce qui qu qu nous reste ensuite comme joueur intéressant. Euh, Caljus, Manon. Boucherie, moi j'aime bien pour ça, spé, mais il n'est pas si intéressant. On a Ensa Jigua, un gros milieu encore. Euh... Oui, nos tireurs de couffrance, faut le mettre, mais fait... mets-le en allié vers le centre sur l'autre aile, aile. Ok. Attends, juste regarder là, hop, ça donne ça. On arriverait à 9 au milieu, ça c'est pas mal Et par contre en vrai. Et si tu vas même, il manque encore un joueur, mais uh -huh. si tu vas dans analyse, si tu compares à sa dernière compo à l'extérieur, juste pour voir, où on en est. Et si c'est mieux euh... le milieu ou la défense On serait ici face enfin, à Jessica Girl à l'extérieur. Il manque un joueur. Hein. Il manque un joueur, bien sûr. Donc la déf... le milieu, on l... ah oui, mais on n'a pas pixé encore, donc il faudra voir si on pixe ou pas. Là, on est en normal. Ouais. Ouais, c'est ça, il faudra voir euh... parce que là si on pique, on passe à 7.7, point... attends, je regarde juste pour euh... on passe à 7.5 si on, on pique. En... Je pense qu'on peut jouer en 2-5-3 et mettre peut-être Nzagiguo au milieu, en troisième milieu et voir qui on met euh... sur l'aile. Ouais, est-ce que mal là dont il... Il a zéro ailier. Il a quoi Il a zéro ailier, zéro en ailier. Oui oui oui, mais ça on s'en fout <laughs> si on veut apporter juste au. <laughs> ok. Euh, mais mais le en... en ailier vers le centre juste pour voir ce que ça donne. Endurance médiocre, hein. donc ça c'est juste le truc qu'il faudra à mon avis oui, remplacer. Oui, aussi, je, 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 je... je sais ça. On arrive à combien au milieu 8,75. 8,75. Ouais, ah ça c'est en tranquille. Et en tranquille ouais, en tranquille. Mmh. Donc intéressant. Et mmh. en plus on est, on est à 10 en défense centrale, sachant qu'il attaque généralement sur le centre. Enfin les trois derniers matchs qu'on a vus c'était trois fois mmh. attaque centrale. Donc ça c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que la défense peut Et battre son attaque. Est-ce qu'on a encore euh, Fons aussi qui, qui a un moment joué aussi allié. Ah ouais à... il est où Fons, mais t'as raison euh, oui, regarde un. Mets-le mais, mais en remplaçant allié et regarde ce que ça donne si on le met sur Kaliusma. Hop, et donc là ça donnerait. On voir la, la diff. En, envers le centre aussi, parce que sinon ça. On perd 0,25 au centre, 0,25 en défense centrale. On gagne un bon, sur une attaque latérale, mais je crois pas que c'est plus important. Ça va ouais. encore S'il rentre à la 60 e ou un truc comme ça, pourquoi pas Ouais, ouais, on peut faire un remplacement, effectivement. Ça peut être une idée, effectivement. On remettre Kalyusma. Euh, en plus, ça, ça fait une spé joueur de tête qui n'est pas. pas c'est vrai. Il peux vrai. juste pour tester aussi, même si je pense que c'est nul, mais, mais france à la place de l'allié qui est blessé. Juste pour voir aussi la différence en notes que ça donne. Ça va. En fait, on, ouais, on, ouais, okay. on perd juste une attaque euh, sur le côté. quoi. Mmh. L'attaque gauche. Ouais, ok. Je peux refaire le changement. Ouais. De toute façon, là, il est. Euh, comme il passera en pansement, les notes augmenteront légèrement. Enfin, son apport mmh. augmentera légèrement. Euh, parce qu'au fur et à mesure de sa guérison, les notes augmentent. Et boucherie en est lié et vers le centre. Qui... Attends, je vais tester juste pour voir. Mais à mon avis, je sais pas, mais c'est pas possible, non Non, on perd, on perd 0,75. Enfin, c'est possible, mais. Oui, ça fait perdre trop en, en, en construit. Ouais. On le voit euh... à domicile, oui, l'intérêt, c'est quand même d'être de, 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 devant au milieu et d'avoir une attaque centrale potable. Alors, est-ce que tu peux mettre offensif un des milieux qui a le plus de combos passe-buteur Alors, on a 11-5, on a 11-5 et on a 9-4, donc euh, imaginons... Euh... Mets les deux à 11-5 en offensif, et tu peux aussi regarder avec le... Quelle différence ça fait en note Alors On prend 0.75 en attaque centrale, mais on perd 0.25 en milieu et on perd 0.5 en défense centrale. Mais on a une grosse attaque là, 10-25. Enfin grosse pour notre division, attention. Fait, va voir dans l'analyse avec euh, ça, avec cette compo, voir ce que ça donne en ratio. Par rapport à son dernier match, on, on serait là-dessus. Ok, ok. Après, c'est un. Là, j'avoue, je ne sais pas, mais ça... ça peut être un choix de commencer comme ça et de passer les milieux en normal si on mène, mm -hmm. ou faire l'inverse, commencer avec les milieux en normal et les passer en offensif si on est mené ou si on ne gagne pas. Pour faire un peu hein, une balance, un peu plus d'attaque ou un peu plus de défense suivant, suivant le déroulé du match. Ah, c'est vrai. Euh... C'est vraiment euh, un peu compliqué. du feeling. C'est faire un vote est-ce qu'on commence avec les milieux en normal ou en offensif euh, sans pixer encore Donc, comment euh, canary nous dit sans pixer encore mais là on pixe là pour l'instant ouais là on pixe ouais. là on a pique, ouais, est en pixe forcément on met beaucoup au milieu avec les ouais elle est pas mal qu'on peut après ouais, je trouve elle... Ouais. voir au niveau endu si ça tient alors au niveau de l'endu on a quoi on a 7 5 6 7, 6, 5, 5, 3. Donc là, Kaljusma qu'on va remplacer. puis les jeunes, hein, 6, 6, 6. Donc euh, ça va au niveau de l'enduit, franchement. Il y a juste Kaljusma qui est un peu critique. Mais le reste, ça va. C'est vrai que la défense, bon, elle est à 5, la défense en endu. Donc. Euh, euh, 5 et 6, pardon. Euh, non, ça oui, pour... est 6. Ou éventuellement comparer à ce qu'a l'adversaire, si tu peux. Jeter un œil à un des matchs de l'adversaire et voir qu'est-ce qu'il avait en endu. Enfin, si, si on veut vraiment faire une comparaison, parce que si c'est des joueurs du même genre chez lui. Attends, avant de faire une bêtise, je vais fiche. déjà. Si tous ces joueurs sont enduits 8, par contre là, ça. On regardait son dernier match peut-être. Euh... Ouais, juste vite fait, hein. c'est pas la peine de. Tu veux que je regarde l'endu avec les notes, avec ça et avec le temps Tu vas ou... sur son match, tu vas sur son. le 11 en étoile et tu cliques sur chaque joueur. Un tour de rôle. Et tu regardes à droite quand à la tête du joueur qui s'affiche. Euh... Dans ta endurance honorable, là, par exemple. Endurance honorable. Oh, oui, c'est le gardien, Dans ok euh, Oui, tout à fait. Euh, endurance honorable pour la défense. Endurance honorable pour la défense. Endurance honorable. Et pour le milieu, honorable, 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 honorable. Ah mince. Honorable. Il n'y a, a pas trop de vieux comme nous. Honorable et honorable. Ok, il est tout honorable. Ouais. <laughs> ok, bon. Souffrira un peu. Euh, en fin de match, coup, on ouais, on serra les, ce qu'il faut serrer quoi. les dents. <laughs> on serra les dents, c'est ça. <laughs> ok. Euh... Après, nous, tu vois, notre équipe, c'est si quand même commence... bien amélioré par rapport à l'endurance. vois, il faut se rappeler qu'il y a deux trois matchs, on avait des joueurs à trois, limite partout au milieu de terrain, etc. Donc, euh, on commence à avoir un peu plus d'endurance Ça, c'est chouette aussi. Après l'endurance, il ne faut pas se faire de film. On est à 10% d'endu, je crois. Hein. Mmh. En plus, oui. Donc, tous les vieux de 30 ans et plus, même s'ils ont endurance 6 ou 5 euh, actuellement, ça va petit à petit baisser. C'est ça. Mais, par exemple, pour l'endurance 5, ça tient jusqu'à. Parce que j'ai des clubs où j'entraîne à 10% d'endu et j'ai quand même des vieux aussi, comme ici. Et endurance 5, même avec 10% d'endu, ça tient, je crois, jusqu'à 35 ans environ. ouais C'est-à-dire. À le... Si tu as 10% d'endu, tu prends des vieux. Au moment de leurs 35 ans, à un moment, ça va passer de 5 à 4. Ouais, nous, de toute façon, c'est le. Ah, L'enduit, c'est toujours le problème. Mais d'un autre côté, bon, on fait le pari de former les buteurs de toute manière. Donc, c'est normal aussi. Euh... Euh, oui, quand tu... Mais d'ailleurs, ça veut dire. Attends, parce que. C'est une c'est de C'est ça, ouais, ça, nous, le choix, c'était vraiment la formation, effectivement. Et, euh... et bon, voilà. C'est un choix qu'on voilà, qu avait de son choisi. Euh... Alors, qu'est-ce que ça dit dans le chat en fait Parce que j'ai pas lu les messages depuis un petit moment. Vous comptez faire une émission enregistrée concernant l'IRL euh, On verra. Peut-être faire un truc, mais on verra. Ça dépendra des gens, si les gens veulent ou pas. Euh, peut-être, peut-être pas. Ça dépendra dans quel état. Ça dépendra comment. On ne sait pas. Mais pourquoi pas Mais on vous tiendra au courant si oui. Euh, je vois ce week-end pourrait pas suivre l'émission vendredi. Qui fait bien. Euh, merci, ça, ça fait plaisir. Drop your weapon. Dis avec le fin. Salut avec le d'ailleurs, ça fait plaisir. Euh, un passage en 3-4-3 si on mène de plus d'un but pour sécuriser un peu derrière. Pourquoi pas aussi Pourquoi pas un changement euh, en 3-4-3 si on mène, euh, si mène d'un but Je reconnais. A, A, aigle oui. Foin nous fait une petite remarque en disant qu'il reconnaît l'accent voisin alsacien. Ouais, c'est de toi, pas toi aigle je pense. Aigle-Chafoy, non aigle Et euh... ça fait plaisir. En tout cas, il parle de ton accent, pas du mien, je pense. Oui. Jouer crois... avec du coup. Ouais. Hop là <laughs> Franchement, moi, ça me sent pas mal, le passage en 3-4-3, si on mène depuis d'un but. Donc, en gros, il y a deux choses. Tu disais, par rapport au milieu offensif qu'on mettrait en normal ou inversement, suivant ce qui se passe, et le passage en 3-4-3. Ah, le passage en 3-4-3, j'avoue, moi, je suis moins chaud. Hein, mais on n'a pas d'autres dé que... défenseurs, déjà. Premièrement, il faut avoir un autre bon défenseur. Ouais, <laughs> j'avoue que ça craint. Et pas, pas juste Boucherie. <laughs> Même si on aime beaucoup Boucherie, il n'y a pas de <laughs> ouais. problème, mais... Et, et ensuite, tu, en passage en 3-4-3, fatalement, tu perds en, en milieu. C'est Or, la meilleure défense, c'est l'attaque de ne pas évidemment. laisser des occasions à l'adversaire. En fait, la, déf ouais, la meilleure défense, c'est le milieu, pardon, c'est vrai. Oui, euh, en quelque sorte. Moi, ce que, ce que je ferais, si on commence effectivement avec les milieux offensifs, c'est les passer en, en normal. Euh, euh. Comme ça, à la louche, à la 60e ou à la 55e, si on mène. Ouais, c'est pas mal, je suis en train de regarder ce que ça donne. Donc on passe de 8, 75, 10. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, en fait, on peut faire ça. Mef qui est d'accord, moi je reste sur 2, 5, 3. Là, là aussi, ça joue à des petits riens, hein. c'est pas... On peut pas faire une différence phénoménale juste avec ces ordres-là, mais... Non mais je pense qu'on va mettre ça en place. D'ailleurs, on va d'abord regarder qui est-ce qu'on met dans... sur le banc des remplaçants. Alors, défenseur central, euh, ouais, Caboret, Traoré... Euh... Boucherie en défenseur latéral quand même, on l'aime bien, mais bon. Et en défenseur central, je pense qu'on va mettre Traoré qui a honorable défense, en espérant qu'on n'ait pas trop de blessés. Et en milieu, par contre, je crois qu'on a vraiment pas grand-chose. On avait Terrier, vas y on avait parce qu'il est blessé de semaines, 36 ans. Coup d'air, Rotilène, aïe ça ça fait mal de voir ça. Caboré, ou là, il sonne. Caboret, euh, pourquoi pas caboret, attendez, caboret je vais le remettre, caboret sur les ailes aussi, mais on espère vraiment ne pas avoir de blessés hein, quand on voit tout ce qu'il y a là. <laughs> C'est vraiment pas joli, joli. Hop. Euh... Ah bah non, Elie, on a mis Font par contre, tu Ah non, tout va bien, tout va bien, pardon. Sur les ailes, j'ai rien dit. Et donc en milieu, je pense qu'on met coup d'air. Hein. Euh, attends, coup d'air. Bon. Après, caboret, tu peux le mettre en extra et le mettre derrière fonte C'est ça. Ah oui, pardon, euh, caboret extra et derrière Fontes. Hein, oui, tout à fait. Un... A pas Et... De possibilité, mais... milieu central, donc on le mettre en extra. Ouais, tout à fait, tout à fait, ouais, ça a un peu bugué, effectivement. Euh, aigle qui nous dit, le 2-5-3 avec deux centraux me pique toujours un peu les yeux. Euh... Ouais, mais t'as un... C'est ça, ouais. On, à on a un adversaire qui fait en fait que, que des attaques au centre. Donc c'est pour ça que là, on s'est dit, bon, on adapte vraiment... Euh... Mais je vois ce que tu veux dire, c'est vrai que c'est... Pas Conventionnel entre guillemets, enfin on voit pas ça tout le temps souvent, mais là c'est vrai que notre adversaire ne joue vraiment que en attaque centrale, donc là euh, effectivement, après a pas que ça, il y a aussi le fait que ce... qu'on a deux défenseurs à construire qui sont plutôt des profils de défenseurs centraux, non pas délier ouais. et donc c'est mieux de les mettre en décès parce que on va les oui, on cherche à ce qu'ils apportent en euh, au milieu aussi, mais ça, je pense que avec le fin, le C. Il... Faut juste faire avec ce qu'on a un peu. Bien à sûr, bien sûr. Et en plus là, on a vraiment, enfin, on a un peu mieux qu'il. A... il y a deux trois semaines, on... ouais. Là, on... Enfin bon, bref. Ok. Euh, juste l'attaquant. Bah, dans ce cas-là, on va mettre l'attaquant euh, Taïru, j'imagine, dans ce cas de figure, vu que c'est Taïru qu'on doit essayer de, de former quand il y a des blessures, on avait dit en gros. Je réfléchis juste parce que, toi, donc on a Zeba Brinker. Ah non, attends. Je suis en train de bugger avec les attaquants. Attends, on a mis qui L'amical Attends, juste pour bien. Ah, mais non, et mais non Si oh, c'est oui, euh, ça... tu le mets pas parce qu'on ne sait pas encore si on le garde ou on le vend. Par contre, tu peux mettre euh, un autre. Guira ou Brinker. On va mettre Brinker parce qu'il a joueur de tête, peut-être. Enfin, ouais. parce qu'il a au moins une spé, éventuellement. Allons-y, soyons fous. Euh, quand on est un calme. pro de la CA avec le fin, le 2-5-3 pique forcément. <laughs> vrai. Euh, oui, mais Caljusma, à la 35 e il apportera plus grand-chose. Ah, J'ai raté quelques messages, je suis désolé, euh, mais euh, j'essaie de me concentrer sur la compo, pas évident, mais ça va. Ok. Pour, oui. Pour ce que disait Canary, c'est ce que je disais avant. Il y a deux possibilités. Soit on commence avec les milieux normaux et on les passe en offensif si on gagne pas, ou alors on les commence. On commence avec les milieux en offensif et on les passe normal si on gagne. Enfin, les deux se valent, mais eh, il faut choisir entre les deux. Voilà. Je ne sais pas choisir là maintenant. Euh, bah dites-nous dans le chat. Est-ce qu'on commence avec les milieux en offensif ou les milieux en normaux Est-ce qu'on ferait pas un vote Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vote, c'est quoi Ça fait plaisir. On Nouveau peut, sondage. Euh, pour ce match, on commence avec milieu offensif, avec milieu normaux. Je veux bien voter pour une personne qui Alors, ne peut pas voter. Oui Dis-moi. c'est un autre choix. Je vais essayer de donner un argument, même, même si je trouve que c'était un peu difficile à trancher là, comme ça, en, en faisant à la va-vite. Ah, à la vie de façon de parler dans le temps de l'émission, euh, je serais plutôt moi partisan des milieux offensifs parce que dans, dans l'idée que effectivement nos joueurs sont un peu moins bons en endurance que l'adversaire, donc autant espérer que au début quand on a plus de possession et plus d'attaques, bah, on ait des occasions et peut-être l'occasion de marquer. Et ensuite, quand on aura peut-être un peu moins d'endurance, essayer de limiter un peu plus la casse et de repasser les offensifs en normal. Ok. Même si on sait qu'on craquera un petit peu en endurance sur la fin par rapport à notre adversaire. Tu essaies d'influencer. Tu essaies d'influencer le vote, c'est ça. <rire> <rire> non, j'essaye de. Non, mais un, Pour bien. voter, il faut avoir des arguments éclairés sur. T'as le... raison. <laughs> mais pour faire un débat équilibré, il faudrait tuer une personne qui a l'autre avis. <laughs> Je rigole. Non, pas du non, mais c'est bien, c'est bien je comme ça. Je suis d'accord, mais... Non, c'est pour rire, ça reste... Un... Enfin, c'est pas grave. Si quelqu'un dans le chat a un avis opposé et argumenté, il peut y aller. Si quelqu'un a un autre avis, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais. <laughs> Déjà. Euh... Écoutez, on met le sondage. Donc, pour ce match, on commence. Voilà, avec des milieux offensifs ou avec des milieux normaux. Si quelqu'un ne peut pas voter, je peux voter pour cette personne. J'ai le droit à un vote... Euh... Donc avec milieu normaux, pour l'instant il y a un vote, ok. On va attendre un petit peu, a... j'ai mis deux minutes, hein, donc euh... Donc on va voir. D'accord avec Tiffidou, nous dit vins. Euh... Commentaire de manière générale des gluffins. Hein. Mais si l'adversaire joue en attaque centrale, enfin attaque ouais, vers le centre, on n'a pas d'autre euh, matos, Let's ah, effectivement, là, c'est vraiment genre euh, on s'adapte comme on peut en tout cas. Et s'il y a des gens dans le chat, euh, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des petits nouveaux entre guillemets, mais n'hésitez pas à... à dire bonjour, à vous faire, euh, à mettre un petit message. Hein, c'est possible. Comme il y a eu le message sur les réseaux sociaux de Hat-Trick, et je crois qu'ils ont encore mis un message euh, sur Twitter, Facebook, etc. Euh, il y a peut-être des nouveaux qui sont là. Donc euh, là, pendant, on a une minute, hein, on peut un peu discuter, mettez un petit message, comme ça, vous pouvez, dites-nous le nom de votre équipe, euh, si vous nous avez découverts euh, dernièrement ou. Euh... Voilà, n'hésitez pas en tout cas. Petit filou m'a convaincu, nous dit Katox. Ok. Ben pour l'instant, c'est un plébiscite pour les milieux offensifs. Ça se resserre un peu. 5-3 pour les milieux offensifs. Par contre, la tactique, elle est quand même jolie. Hein. Je trouve, tu vois, on commence à avoir des joueurs. Euh... Enfin, les notes commencent à être un peu plus jolies, on va dire, en tout cas. On pourrait presque réfléchir à. Enfin, je, je, je le dis un peu comme ça, mais je pense. Qu'on le fasse, on pourrait presque réfléchir à mettre attaque au centre, mais les... il y a quand même des gros moins. C'est que je ne pense pas que. Enfin, je sais pas quel est notre niveau dans cette tactique. Et deuxièmement, si on fait ça, on affaiblit nos ailes défensives qui sont déjà un petit peu justes par rapport à son attaque. Certes, il attaque au centre, mais si on dégarnit trop nos ailes défensives, ses actions sur les ailes passeront aussi. Donc, euh... Donc au final, je ne pense pas que ce soit un bon choix. Ok. Écoute, le peuple a voté, enfin le peuple, les sociaux ont voté. Euh, on va commencer avec des milieux offensifs, ok. On choisit la solution offensive. Euh, ben bah, ok, là on touche à rien, c'est parfait. Mais par contre, donc c'était euh, si on mène après la xième minute, c'est ça que tu proposais Ouais, si on mène à la. Moi je dirais la 60 e Ça peut aussi être la 55 e ou. En général, je choisis, personnellement en club, je choisis pas la 50e par hasard. Par, par exemple, okay. euh, parce qu'il faut savoir que quand ils reviennent après la pause, les joueurs, ils regagnent en, en performance. C'est-à-dire, ils se fatiguent au bout de la 30e, 35e, suivant leur niveau d'endurance, jusqu'à la pause. Ensuite, à la mi-temps, ils se reposent, et quand ils reviennent, ils reviennent de nouveau avec un, une meilleure endurance, en fait, et donc un meilleur niveau. Donc si on si on fait ce genre de changement hmm. tôt après la, la pause, je trouve ça moins. Ouais, mais euh, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Il y a le après le ah, repos. Ouais, ouais. des... Peut-être, peut-être. Là, c'est peut-être pas par rapport à ça, mais c'est aussi pour un changement de joueur, par exemple. Je, je changerai pas un joueur à la 45 e ou à la 50 50e quand il va perdre de l'endurance. Enfin, quand il a une faible endurance, je change plutôt un tout petit peu plus tard. Parce que de toute façon, il rejoue un petit peu mieux en début de deuxième mi-temps. Ok. Donc, 60... Mais 60e, ça me semble très bien, de toute façon. Euh, je pense qu'on peut... Là, on ouais, va donc ouais, on sur... On peut tenter. Hein. Changement d'ordre, c'est ça, hein, dans ce cas-là. Yes. Donc, euh, Enzagiwa, 60e, normal, si on mène par plus d'un but, c'est ça hein. Là aussi, ça se discute. Hein. Euh, oui, c'est euh, vrai. Soit si on mène, soit si on mène par plus d'un but, euh, à voir. Euh, vous en pensez quoi dans le chat Ça qu'on peut demander. Après, ça reste encore un petit détail, mais euh, euh, donc en fait, on aurait le choix entre si l'équipe mène par plus d'un but d'écart, si l'équipe mène par plus de deux buts, ou si euh, bon, ça, ça sert à rien. Ouais, ça sert peut-être à rien. Ou si ouais, euh, l'équipe mène tout simplement, effectivement voir Un peu les avis. Je vais déjà préparer l'autre aussi parce qu'on va, va dupliquer pour Alors mettre l'équipe mène par plus d'un but d'écart, c'est ok. Ok. Regarde parce ce qu que si l'équipe mène, main... enfin le, le truc c'est que quand tu mets si l'équipe mène et que tu fais ce changement et que tu perds en puissance offensive, euh, après tu vas avoir des regrets s'il égalise. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors que si tu le mets avec un écart de deux buts. Ça n'empêche pas qu'il revienne aussi, hein, mais tu auras un peu moins de regrets parce que tu te diras ah bon, c'est vraiment pas de chance qu'il ait eu les occasions et les buts juste après qu'on ait fait ce, ce changement. Canari nous dit regarde vers quelle minute ton adversaire est susceptible de changer ses joueurs et vise vers la 60e. Ouais, mais là, on regarde surtout aussi de notre côté en fait, finalement. Si on mène, bah dans ce cas-là, on remet un peu de milieu, etc. Avec le bonus confiance en fin de semaine, on sera bien. Ouais, avec, le Attends, avec le bonus confiance en fin de semaine En le... fait, le, notre confiance actuelle est à mauvaise. Ah oui, oui ok, oui. À cause de notre 6-0. Et en fait, la mage de la confiance se fait, euh, se fait euh, deux mages avant le match. Enfin, C'est une mage après la mage entraînement. Okay. La mage entraînement au Burkina, elle est le jeudi. Oui. Et, en, et la mage, après la mage entraînement, c'est la mage confiance. Et quand ta confiance est basse, elle a tendance à remonter. Quand ta confiance est haute, elle a tendance à descendre. Modulo, l'effet d'un psy qui, qui a aussi un impact. Mais on n'a ah. pas de psy. Donc, euh. donc ce qui veut dire, c'est que notre confiance va un peu remonter. Donc ça va augmenter un peu nos notes d'attaque. Voilà. OK. Avant le match de dimanche. Écoute, très bien, en tout cas, déjà, par rapport à ça. Donc ça, par rapport à ce changement, c'est fait. OK, premièrement. Ensuite, on avait Caljusma. Ça, il faut aussi qu'on s'en occupe. Caljusma... Remplacé par Fonz. Par Fons. aussi à la 60e, en fait, finalement. Enfin, aussi, si l'autre se déclenche. Mais lui, c'est sûr qu'on le met à la 60e. Ouais. Comme il est endurance médiocre, tu peux même le mettre à la 55e. OK. OK. Ouais, c'est vrai qu'il est ouais l'endurance elle est vraiment catastrophique euh, font il est comment lui par contre il est ah oui les deux sont médiocres en fait oui c'est ça ouais c'est pas beaucoup mieux. ok oui, oui oui ça casse pas des briques mais bon Non, mais c'est bien que... c'est bien ouais non mais il faut il faut faire ce changement il est important en fait mine de rien comme ça c'est deux euh... c'est ça le fait d'avoir des vieux joueurs c'est ça aussi hein. c'est que ça prend des des remplaçants des remplacements à chaque fois ok euh, ça c'est fait après je mettrai peut-être euh... Euh, Qu'est-ce qui nous reste nous... On a, ouais, on n'a pas d'assistant tactique. Donc, euh, bien sûr, on entraîne les buteurs. C'est une priorité. Donc, faut mettre un remplacement euh, en cas d'expulsion d'un buteur. Donc, euh... il faut. C'est le double remplacement, c'est ça. Hein euh... Putain, ça, je bug à chaque fois. Quoi. Ouais. Mais en gros, donc on fait rentrer Brinker ouais. à la place de qui, dans ce cas -là. Il faut choisir. Mmh. Ouais. Comme ça, je dirais notre, notre joueur avec qui aura un pansement là. Viqueira. On, on peut aussi sortir un défenseur ou voilà, mais on peut se dire que si jamais un attaquant euh, exclu, ben tant pis pour le, il faut, faut sacrifier forcément un secteur. Ouais ouais. euh ah oui, non, pas tant. Typiquement ça pourrait aussi être un défenseur, mais nos défenseurs, ils sont pas mal et ils défendent. Enfin, mais en fait, c'est ça, ils défendent. Je le ferai pas sur un défenseur parce que notre défense permet quand même de contenir normalement son attaque. Et donc, si on se dégarnit en défense, bof. Franchement, pourquoi pas sur l'aile, tu vois, effectivement. Pourquoi pas Vikera dans ce cas-là Le milieu, ce serait un peu embêtant. On a quand même trois bons milieux de terrain. Bon, Vikera, c'est un bon ailier, mais. Euh... Au pire, il faudrait faire ça sur Kaljusma, tu vois, ou Fons. Mais c'est compliqué ouais. parce qu'il y a déjà ce remplacement à la 60e. À voilà, la 55e. Euh... Tu pourrais le faire sur Kaljusma ou Fons, mais du coup, ça t'oblige à doubler l'ordre de oui, remplacement. Et on ne pourra pas... Et du coup, tous les slots sont utilisés. C'est ça. Mmh. Non mais Vickira, pour donc moi c'est le plus logique. Je le ferai sur blessé. Ouais ça, Vickira, ça semble être le plus logique finalement. Donc Vickira à la place de Brinker 0 euh, ou pas Ou on met rien là <laughs> ça, Non, non j'arrive pas Rien. rien. Et, euh, donc là c'était quoi, tant Donc là on fait rentrer Brinker. Condition avancée. Condition avancée. Ah oui, expulsion en expulsion d'un de mes attaquants. Expulsion. Le but c'est de... que Brinker rentre et prenne un slot d'attaque de... s'il y a un expulsé en attaque. Ok, donc Icar, Prinker, hop. Mm -hmm. Ok, parfait. Ok. Et tu peux mettre euh, l'ordre normal parce que sinon, avec héritage, ça va coincer. T'as raison. Enfin, ça peut potentiellement. Ouais, coincer. vu que c'est sur vers le tu centre mettre et qu'il a pas. Ouais, normal. Ok. Parce qu'un attaquant ne peut pas être vers le centre, effectivement. Et donc, ça peut avoir un blocage à cause de ça. Euh, voilà. Ok. Après, on peut mettre le dernier slot. On peut mettre éventuellement. Euh, mm, on peut mettre si expulsion d'un de mes milieux centraux de faire passer un, un quoi que par rapport à ce que je disais, ça peut-être pas. Mais euh... donc si un remplacement. Un... je laisserai en fait. Je laisserai tomber. Ok. Je toujours dans l'idée de pas déplacer un défenseur qui couvre un peu l'attaque adverse. Oh, je pense qu'on peut laisser comme ça. Hein. Mais c'est déjà pas mal en tout cas, là pour la compo, on a quelque chose. Vous en pensez quoi dans le chat Vous êtes, êtes content? C'est belle compo ça va. Moi j'aime bien, c'est une compo franchement. Euh... Euh, ça fait plaisir d'avoir une compo en tout cas qui va pouvoir concurrencer l'adversaire potentiellement. Alors bien évidemment, ça reste une question de stratégie, peut-être que l'adversaire va tout changer, on ne sait pas. Mais euh, par rapport à la semaine dernière, on a fait vraiment une compo juste pour remonter une tactique. Là, ça fait plaisir d'avoir vraiment une compo cohérente et euh, jolie en tout cas. Euh, ça fait un peu un sympa de Noël au plus si on voit les joueurs euh, comme ils sont mis. Donc c'est un peu compo d'hiver, très bien. <laughs> bon, aucun rapport, s'imagine. <laughs> J'aime bien. Belle compo, franchement très belle compo. Belle note en tout cas. Est-ce que tu peux regarder les attaquants qu'aligne euh, l'adversaire euh, dans son dernier match par exemple Ouais, ouais. Ah, s'il y a quelqu'un qu'on peut pas marquer aussi. Ah, voilà, c'est ça l'idée. Euh, attends, j'ai. En fait, il y a nom. deux possibilités. Soit tu marques un milieu de terrain, mais du coup, attention, ça nous affaiblit en défense face à son attaque. On a. Ou alors, tu... si s'il y, si y a un attaquant qui est une bonne cible, c'est aussi possible de marquer un attaquant. C'est moins intéressant pour l'écart de milieu, mais par contre, si on vise le bon joueur, ça peut faire une différence. Ça, ça peut augmenter notre marge euh, par rapport à son attaque centrale. C'est vrai. Dans les attaquants, on a... Si tu peux... Oui. Si tu peux ouvrir les deux attaquants dans une nouvelle fenêtre, comme ça, on peut regarder si c'est des joueurs qui jouent tous les matchs de ligue. Alors, effectivement. Donc, on a Stéphane Schlosser, un Suisse, qui joue tous les matchs de ligue depuis euh, au moins deux mois. Ok. On a Romantico genre polonais qui joue euh, ça dépend il a joué des matchs de coupe il a joué des matchs de ligue mais ça a l'air d'être quand même le gros attaquant et comme il est plus en coupe c'est ouais. possible que tu vois il joue quand même et, et fait voir l'autre de nouveau c'est quoi c'est 9470 ouais, tout à fait tout à fait alors que l'autre on est dans les 30 000 32 000 ouais euh... Je sais pas, je, je, comme ça, euh, mais il faudrait connaître le niveau exact des, des attaquants. Mais je marquerai plutôt Schlosser parce que je pense qu'avec lui, on est sûr d'être gagnant. Ouais, parce que il faut que notre défenseur qui a une défense de 13, qui est costaud. Oui. Euh, faut, faut enfin, même que tu... la primaire du défenseur soit au-dessus de celle de l'attaquant. C'est ça. Je sais pas, peut-être peut que ça marcherait aussi avec l'autre, mais je ne sais pas si c'est un joueur euh, qui a juste une primaire buteur ou s'il est un peu plus multi. Euh, à vue de nez, comme ça, je ne sais pas. On peut, chat, film, hein. on peut demander dans le chat. Je marquerai plutôt Schlosser. On peut demander pardon, dans le chat euh, qu'est-ce que vous en pensez aussi. Lapidus Ancelotti avec sa compo en sapin de Noël. <laughs> c'est ça. <laughs> <laughs> Dites-nous dans le chat ce que vous en pensez. Donc euh, Romantico ou Schlosser Bon, vous pouvez dire 9000 ou 32000 de TSI, c'est plus facile. Parce que c'est vrai que Schlosser, c'est peut-être pas évident, mais bon. Enfin, quoi que ça va, si, ça va, Schlosser. Euh, bon, en fait, c'est Stéphane ou Dietmar. Bon, c'est vrai que les vrais noms, c'est pas évident. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que Schlosser, c'est peut-être plus rassurant, entre guillemets, parce qu'on a l'impression qu que la défense de 13 pourrait être supérieure à son attaque. On dit bien pourrait, hein, parce qu'on ne sait pas les notes. Alors que l'autre, c'est vrai qu'à 32000, on ne sait pas du tout. Euh, 23 ans, 32000. Alors que Cheveldino qui marque son penalty, bien joué. Et que des penalties réussis, hein. Je crois qu'il y a eu un autre penalty qui avait été tiré par, euh... je crois que c'est GG, GG qui a tiré son penalty qui a marqué aussi, donc euh, bien joué. Bon, on, euh... on vous attend dans le chat, mais écoute. Euh... Ouais. Les gens ça sur Schlosser et puis. Oui. Hein. Donc. On verra ce que ça donne, ça peut être intéressant de regarder la semaine prochaine l'effet du marquage. Et, tout à fait. et voir si c'était bien de le faire sur ce joueur-là. Gaetanopoulos... Euh, mince, j'ai mis capitaine, pardon, non, non, qu'est-ce que je fais De Gaetanopoulos... Donc de Schlosser, pardon. Euh, marquage. Il est où Schlosser Ah, il est là, tout en bas, ok. Par, par rapport à Grand Vins, Grand Vince dit, j'aurais pas fait de marquage sur ce match, ça me paraît pas nécessaire. En fait, si on a un joueur qui a un bon profil pour marquer, et qu'on marque un attaquant qui est moins bon, euh, c'est toujours profitable de faire le marquage. Même si c'est un match où il n'y aurait pas eu besoin de plus d'écart au milieu, etc. Par contre, faire un marquage sur un milieu, ça aurait été peut-être plus discutable dans le sens où on a peut-être assez de marge au milieu. Et que. Bon, ça augmenterait la marge au milieu si on marquait un milieu, mais par contre, ça ferait un peu plus de trous dans notre défense. Parce que ça fait baisser le niveau aussi du, de la défense centrale. L'option marquer un attaquant, c'est un peu et un, en plus un attaquant avec un petit T ici. Et assis c'est un peu l'option la plus la plus safe, la moins risquée. Ok, convaincu. Bien joué. <laughs> c'est bien. Euh... J'espère gagner euh, dimanche hein, parce que sinon, ouais. <laughs> ça, on verra. On verra les, mais tous, les, ça... tous les convaincus ils vont me tomber dessus. Après. <laughs> non, mais c'est bien, c'est bien. Au moins, on fait des choix. Tu vois, ce qui est bien avec le, le fait qu'on qu fait le marquage individuel, c'est que ça fait quand même genre 2-3 semaines qu'on parle du marquage individuel. Donc là, c'est bien, on le met en pratique avec un défenseur qu'on a acheté un peu pour ça. Entre guillemets. alors Je sais qu'il y a des gens qui auraient préféré qu'il ait une primaire plus élevée, etc. Bon, la question peut se poser, mais, mais au moins, là, on fait un choix tranché par rapport à des choix stratégiques qu'on a fait il y a quelques semaines. Donc euh, je trouve ça bien. Euh, ok très bien, mais là on est, on est plutôt bien. Euh, donc voilà pour la compo en tout cas, on verra après suivant les mises à jour formes etc. Puis on verra à l'IRL, hein, on ne sait pas, peut-être à samedi, euh, ouais. entre deux bières, euh, qu'on va refaire toute la compo et que ça va ressembler à rien du tout, on ne sait jamais. Ouais, <laughs> faire un sac sac zéro précis. Ouais, c'est ça, on va, on va tout changer. <laughs> non, non, voilà, je pense qu'on a quand même déjà quelque chose de très cohérent, ça fait plaisir, c'est quand même une belle compo. Euh, voilà, il ne faut pas oublier quand même un détail, alors, j'ai aucune idée, je ne pense pas honnêtement je ne pense pas que les joueurs dans la division euh, suivent le décret crédit FC j'en ai parlé nulle part parce que j'ai pas voulu faire la promotion en disant on va rester discrète et on fait profil bas quand même mais notre adversaire est quand même belge je vois qu'il a quand même la langue anglaise donc on sait jamais peut-être qu'après il nous écoute s'il nous écoute bah, franchement il n'y a aucun souci c'est le jeu Maintenant, ce serait bien qu'ils regardent pas les compos, mais bon, on espère. Mais donc euh, voilà, ce que je, je veux pas dire, qu'attention, c'est pas, si pas si on perd, c'est pas parce qu'il nous a écoutés, pas du tout. Hein. Mais je veux dire, voilà, il y a toujours la possibilité que malheureusement des adversaires, euh, on a des, on a des Canadiens, des Belges, et des Français dans la division, bah ça peut arriver que parfois ils écoutent. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, je suis très content de la compo qu'on propose, en tout cas par rapport à ce qu'on a vu. Euh, nulle part. Ok, convaincu. Nulle part, sauf sur Facebook, Instagram et Twitter depuis ce soir. Oui, c'est vrai que Hatrick a parlé du 12 homme, c'est vrai, c'est vrai que peut Voilà, bon, peut-être que ça va se savoir maintenant. Mais c'est vrai que... Alors, je tiens à faire la précision, il faut savoir que depuis ce soir, quand même, c'est toujours intéressant, on avait plus ou moins 300 personnes qui suivaient, hein, je pense, la chaîne sur Twitch. Bon, c'est beaucoup les habitués, ça fait plaisir, enfin beaucoup... Euh, c'est normal. Et là, de depuis qu'Hatrick a fait le petit message, il y a quand même une dizaine ou une quinzaine de personnes, je sais pas, en tout cas une dizaine de personnes qui a suivi la chaîne. Donc, euh, on les salue, en tout cas pour ceux qui découvrent. Et euh, si vous voulez découvrir euh, Acheter Actu, allez sur, euh, you euh, sur YouTube, vous tapez Acheter Actu et vous aurez la chaîne avec euh, plein, plein, plein de vidéos. On fait du contenu toutes les semaines sur le jeu, si ça vous plaît, euh, plutôt en émission un peu radio. Voilà, petite promotion qui est faite. Ok, on va passer au meilleur moment de la soirée. Je ne sais pas ce que tu en penses, euh, <laughs> petit filou. Enfin, le meilleur et moment pour toujours, les gens. Ouais. Le meilleur moment pour les gens dans le chat. Mais alors, avant de passer au meilleur moment, il faut quand même qu'on réfléchisse. Enfin, il faudra qu'on réfléchisse à euh, ce qu'on va faire chez les jeunes. Parce que là, maintenant, on a plus Zéba. On a euh, qui qui va devoir sortir, mais qui est déjà maxé quasiment partout. Bon, je pense que le mieux, c'est peut-être qu'on fasse d'abord le tirage. En fait, c'est ouais, plus simple. Et après, on se posera les bonnes questions. Sachant qu'on ne doit pas virer un jeune parce qu'on euh, en a promu. Hein. Donc ça, ça fait plaisir en tout cas. Donc dans le chat, vous savez, bien évidemment, 1, 2, 3. Alors ceux qui ne sont pas habitués. Alors attendez, il y a une subtilité. C'est 1, 2, 3 et on jette. 1, 2, 3 et on garde. Voilà, c'est la nouvelle précision. Donc ça veut dire qu'en gros, on a trois recruteurs de talent. Euh, on va les appeler l'un après l'autre. Et euh, c'est juste un petit pronostic dans le chat pour le fun, entre nous, pour savoir qui avait raison, qui le sent bien sur euh, le recruteur. Donc euh, si vous pensez que c'est le premier, vous mettez 1, 2 euh, ou 3. On tire quoi après qui Ouais, c'est ça, on tire quoi après qui C'est la bonne question. <laughs> Donc on a un 2, un petite trois. variante, il y a aussi 1, 2, 3, soleil. <laughs> il y a soleil, tu vois. Oui, il y a soleil aussi, c'est vrai. Si vous dites soleil, attendez, il y a encore mieux. Si vous dites soleil. Après que quelqu'un dans le chat ait mis un, puis un autre deux, puis un, un autre 3 et que là vous dites soleil, alors là vous gagnez tout quoi. Vous avez gagné la soirée. Mais ça c'est très très rare. Tu vois ça n'arrivera peut-être jamais d'ailleurs. T'imagines Il faut que quelqu'un tape 1 un, un autre tape 2 un autre tape 3 Bon pardon. Là on va peut-être un peu loin. Désolé. <laughs> en, en allemand ça donne Eins zwei drei Polizei. Eins zwei Polizei. Qui veut pas dire soleil malheureusement Polizei je pense. <rire> <Non>. <rire> soleil en allemand c'est zone non Zone. Euh, c'est pas ça Zone, euh, yeah. Comme euh, Zonebril. Genre lunettes de soleil. Wunderbar d'Apidu. Wunderbar aussi, ouais, c'est vrai, Wunderbar. Pourquoi pas Je parle pas, j'ai fait deux ans d'allemand, hein, donc euh, attention. Non, oui, wunderbar, ça voulait dire, euh, c'est parfait. Ah non, non c'est parfait, ah, ok, je pensais que c'était pourquoi pas. Ah oui, non, c'est parfait, ok, Wunderbar, ok. Euh... Oui, euh, ouais, ouais, bref. <laughs> oh, là, on... la traduction exacte, mais je suis pas assez fort en allemand pour. Euh... <laughs> je vois que Chef Lindoy, il est en train de tenter un truc sur le chat, quoi. On choisit pas un numéro et tu l'appelles en premier. Oh, non, mais de toute façon, tu vas. Verras... Enfin, tu vois. En gros, ça, c'est juste le pronostic. Ça, ça ne sert à rien ce qu'on fait là, mais c'est le moment qui fait plaisir à tout le monde. Enfin, quand je dis ça sert à rien, non, ça sert juste à montrer si vous avez de la chance vous ou pas, quoi. Euh... 1, 2, 3. Oh, dommage, meuf qui a cassé le 1, 2, 3 soleil. Non, tu vois, on n'arrivera jamais à faire le 1, 2, 3 soleil. C'est impossible. Je pense qu'il faut être trop synchronisé dans le chat. Essayez dans le chat. Putain, ça, ça peut être un objectif dans le chat, tu vois. A... De faire 1, 2, 3 soleil, quoi. Appliquez-vous. Attends, je suis quand même curieux de voir s'ils sont capables d'y réussir. Ah, petit filou qui va du. Non, tu vois, ça marche. Non. En fait, ça marchera jamais, tu vois. et c'est dur, n'empêche. Hein, bon, bref. Vous avez compris, là, là maintenant il va y avoir trop de numéros, donc on ne saura plus qui a dit quoi. Mais c'est pas grave, le 1, 2, 3 soleil qui est très compliqué. Alors, non, ça... on est vraiment des gamins, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, euh... attends, parce que là on y est presque quand même. Bon bref, vous voyez les gens qui nous écoutent en rediffusion, désolé, c'est le petit moment craquage, ça arrive parfois après sans émission, on peut parfois craquer un peu, c'est normal. Et félicitations, ils ont réussi, incroyable. Alors, premier tirage, attention, euh, c'est parti. j'attaque direct. Alors déjà, on voit 15 ans. Adama Sangaré, il a 15 ans et semble avoir un petit quelque chose en plus. Sans entraînement supplémentaire, ce joueur restera à un niveau faible en ailier S'il évolue correctement, ce gars peut probablement atteindre un niveau passable en passe avant d'entrer dans l'équipe dans senior. Est-ce que je peux lui offrir une place au sein de l'équipe T'as bougé d'appui. Ouais, c'est vrai que j'aurais dû arrêter de parler quand vous avez fait un 2-3 soleil. Ça, ça va être le prochain, le prochain truc, quoi. <laughs> Faut appeler cette kill si vous, voulez. si vous voulez gagner un jeu ici. Ouais, c'est ça. <laughs> ah, J'ai mon chat qui décide d'arriver juste ici au moment. Il vient aussi participer au tirage. Alors, on jette, on prend... Ah, ah débat.. Ouais, là, il y a débat. Bah, ouais, il y a un débat. Euh... Oh, il oui. n'y a pas débat. <laughs> Pourtant, il n'y a pas de débat... Euh... Attends, attends, 15 Moi, ans. Non. 15 eh, ans. Je, je laisse les, les gens débattre, il n'y a pas de problème. Mais... Et Attends, il y a un truc que je... un vote, bien sûr. Faut... Attends, j'ai du mal à comprendre. Attends, donc. Euh... Ah oui, donc, il est faible actuellement en ailier et il peut aller jusque passable en passe. Ok, c'est ça, d'accord. Et, et donc là, il y en a qui veulent le jeter, celui-là. Mais ils sont sérieux. <rire> <rire> un 15 ans. Hein. Sachant mais... qu'on a une chance sur trois d'avoir un 15 ans, hein, puisqu'il y a. Je ne sais pas si vous étiez ça, au. Ça, courant, je ne savais pas, non. Il y, a... il, y avait, il y avait des études qui disaient que dans les tirages sur. Euh... Et des études qui ont été faites, en fait, il y a 33% de chances de tirer un 15 ans et 66% de chances de tirer un 16 ans. Je vois que ça... Déjà, on a un 15 ans, c'est cool. Il peut être passable en passe. Il est faible en ailier. Bon, c'est pas son potentiel, bien sûr. On n'a pas d'infos sur sa SP et on n'a pas d'infos non plus il si est aptitude globale, inadéquat, faible ou quoi que ce soit d'autre. Donc, le... la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on manque un peu d'infos, mais. Est-ce qu'on veut jeter ça pour risquer d'autres choses pour moi, c'est non. Pour moi, on garde. Déjà Alors... la semaine dernière, euh, malheureusement, on avait jeté un 15 ans. Je vais faire un sondage comme ça parce que je vois qu'on on prend, on garde, on jette. Donc attention, sondage. Vous avez deux minutes. Ceux qui ne savent pas voter, ceux qui ne peuvent pas voter, pardon, euh, n'hésitez pas à me dire. Je peux voter une fois pour vous euh, si ça arrive. Alors attention, sondage. Alors ce petit jeune, sans se faire influencer par Petit Filou. C'est un grand oui, c'est un grand non ou soleil J'ai fait un sondage à la Z, comme ça, vous avez remarqué, il y a la patte de Z qui est sortie. Alors, on va voir. C'est un grand oui, c'est un grand non. Euh... Pour l'instant, c'est un grand oui. Champomy, il m'a convaincu. Ah, t as, t as... <laughs> tu vois, t'as influencé quand même, mais, mais après, c'est vrai. Non, mais ce que tu dis, c'est aussi intéressant, de toute façon, donc... Euh... Pour l'instant, c'est un grand oui, puis soleil, puis c'est un grand non. Donc pour l'instant, c'est vraiment un grand oui dans ce cas-là. Alors, on va attendre il reste encore plus ou moins une minute. 6P plus 6B ou 6A. 6 passe plus 6 buteur ou 6 ailier. Après, on peut faire plein de prospectives on ne sait rien sur lui. Si ça se trouve, est ça. Il, est, il, il peut être euh, 4 alliés, 4 construits, euh, encore plus faibles ailleurs et 6 passes. Ou alors il peut être 7 alliés, 7 construits, 6 passes avec une SP. En fait, là, il y a tous les cas possibles euh, pire, -à -dire du pire, c'est-à-dire du joueur nul au, au joueur excellent. Mais écoutez, on se dirige pour un oui dans ce cas de figure. Donc, euh, je répète, hein, pour ceux qui nous écoutent en rediffusion. En Mode radio, donc 15 ans, euh, il est faible actuellement en ailier et il a un potentiel passable en passe. Et euh, sur, euh, sur un gros lobbying de petits filous, on se dirige vers un oui pour l'instant. On le garde, <laughs> non, après honnêtement, 15 ans, comme tu dis, c'est vrai que enfin, tout ça ça peut jouer. Le oui est totalement euh, euh, compréhensible. Mais je me rappelle, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, on avait un profil. On avait un gros profit que la finalement semaine dernière, en fait. ouais qu'on avait eu un nom pour un mais... profil limite qui semblait mieux que ça j'avais l'impression à première vue mais après explication effectivement ce mmh. c'était pas le cas le, le truc de la semaine dernière c'était qu'il partait de médiocre en construction et ça ça a tout de suite refroidi oui. le... c'est Il... vrai Il grand ville je sais plus qu'est-ce qui je crois qu'il était aptitude inadéquate donc ça c'était bien et, et... enfin ça, ça peut être bien et je ne sais plus quel était son autre carac. Mais il partait de médiocre en construction. Et du coup, vrai. la réflexion, c'était que ceux qui voulaient le jeter, c'est qu'il partait de trop bas en construction. Euh, soi, ça ne m'aurait pas fait peur, mais bon. C'est 5 pour un oui, 2 pour un non, et 2 pour euh, neutre, quoi. Soleil. Euh, Grandvin qui fait baver tout le monde en, en disant « J'ai tiré un 15 ans 40 jours au Burkina il y a un mois, il peut finir euh, construction 7, hélié 6, passe 6, buteur 6. » Pas mal, quoi. Katox qui nous dit « Fabio va encore nous défoncer. » <laughs> non je pense pas je pense que là mais Fabio non, on Fab... Fabio ça serait plutôt le style à mon avis Fabio tu nous diras mais je pense que Fabio maintenant on le commence à le connaître je pense je pense que ça serait le style de joueur que Fabio aurait gardé je crois je sais pas ce que tu en penses Tiffilou mais je pense que ça c'est un profil que Fabio aurait sûrement il nous aurait tiré les oreilles si on l'avait pas pris je pense plutôt oui oui il faut garder ça mais, mais on le garde c'est un je oui compte. et donc maintenant on va voir donc 15 ans et 104 jours attention non j'espère pas 15 ans, 45 jours. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà. On ne connaît rien sur lui, mais on sait qu'il est très, très jeune. Donc, si maintenant, il y a un monde où il est peut-être euh, vraiment bien. Ah, il y a un truc qui est parfois intéressant, c'est de regarder le moment historique du joueur. Mais là, il est très jeune, donc, à mon avis. Ok, on voit qu'il n'a pas été refusé par d'autres académies. Parce que parfois, ça peut être un indice, tu vois. Euh, il pourrait être très, très faible quelque part d'autre. Il a été refusé dans d'autres clubs. Mais bon, comme là, il est très jeune, peu de chances qu'il ait déjà été proposé avant, je pense. Parce que je crois que de mémoire, si je dis pas de bêtises, c'est pas toujours les mêmes carats qui sont dévoilés quand ils sont proposés par des autres clubs et si c'est refusé, hein, je pense. Si quelqu'un peut confirmer. mais euh... Une bonne pioche au niveau de l'âge. Ok. Qu'est-ce que tu as dit euh... Euh, Je disais qu'en fait, j'aimais bien regarder Il parfois. Tu du... euh, sais, quand c'est un joueur comme ça qui est très jeune, enfin, pas oui. qui est très jeune mais en tout cas, j'aime bien regarder dans les moments historiques, voir s'il a été refusé autre part. Parce que de mémoire, alors je dis ça de mémoire, peut-être que je me trompe et corrige-moi si je me trompe, je pense que un même joueur pour être, pro... fin, est. Proposé à différentes académies. Quand il est refusé, il est reproposé à d'autres académies, mais pas spécialement avec les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux caractéristiques du top 3 qui sont ça. présentées, mais pas forcément les mêmes. C'est-à-dire, si on l'avait refusé, il pourrait très bien être euh, montré à un autre club en disant ce joueur est potentiel honorable en ailier et sans entraînement supplémentaire, il part d'un niveau faible en passe. Ouais, c'est ça. Des trucs au hasard. Hein. Et, donc, et ouais, ça peut être donc, si tu vois que dans les moments historiques, il a été refusé, ça veut dire que potentiellement, il y a moyen qu'il ait eu quelque chose de plutôt pas correct. Enfin, tu vois, c'est ça qui motiverait les gens à refuser un joueur. Donc là, le fait qu'il n'ait pas été refusé, c'est qu'on ne sait vraiment rien du tout sur lui. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Euh, regarde sur Rate My Academy si l'âge est parfait. On peut regarder, même si je prends des pincettes par rapport à Rate My, Academ My, uh, Rate My Academy, je quand même, on va quand même le faire hein, tous ensemble, pas de souci. Mais le, les petites pincettes, euh, c'est que il euh, n'y a pas encore les équipes nationales, hein, donc euh, c'est juste par rapport à ça. Attendez, je suis en train de mettre mes identifiants et on va regarder. Comme ça, on, je vais vous afficher l'écran une fois que c'est chargé. Hein, comme ça, je mets les identifiants, etc. Voilà, donc là on y est. Raid My Academy. Euh, donc petit crédit FC. Euh, il s'appelle comment Attendez, j'ai un doute. Euh, Adama Sangaré. Alors. Il est 15 jours plus jeune que Optimal. C'est pas mal. S'il y avait des équipes nationales, en tout cas, il serait bien. Cafando, attends. Cafando, il a un score de 2940. Alors, attendez, Cafando, je suis en train de bugger chez les jeunes, là. Cafando, Cafando. En fait, il est un peu vieux. Enfin... Ah oui, c'est le défenseur. Oui, oui, bah oui, c'est le. Ouais, ouais. C'est le défenseur potentiel 8, oui, mais qui a déjà 16 ans, ouais, c'est ça... vrai. En fait. Le truc de Rate My Academy, il te met un chiffrage en considérant que tu vas pouvoir entraîner à fond ton joueur. Oui. Il ne tient pas compte du fait que c'est impossible de le monter à 8 défenses euh, au moment de sa sortie. Ok. Donc, euh, donc il, il met euh, une estimation si tu arrives à l'entraîner jusqu'au bout dans toutes ses caractères. Ok. Mais là, concrètement, pour Cafando, on pourra. Eu, euh, je pense le sortir 8 enfin il est déjà 3 âgé on peut pas le pousser jusqu'à 8 euh, défenses exactement regarde sur use club s'il a un jumeau ouais désolé c'est vrai que j'ai pas encore mis euh, le club sur use club mais on fera ça une fois euh, peut-être pas ce soir mais un jour serait intéressant de voir ça avec quelqu'un qui se connaît sur use club de regarder ensemble pourquoi pas un produit externe comme use club mais euh, effectivement oui, les jumeaux effectivement ça n'existe plus et là par rapport à ce que tu disais avant sur les u21 personnellement pour les nouveaux pays euh, J'arrêterai de regarder euh, les pot possibilités d'être euh, les acheter n'ont rien annoncé de, de concret à ce sujet. C'est vrai, c'est vrai. Parce que... Mais, certainement que ça arrivera à un moment hein, qui diront ben voilà là il y aura des équipes nationales à partir de telle saison. Et tant que c'est pas annoncé c'est quand même super aléatoire de dire que tu vas former un joueur pour les NT etc. C'est vrai. Ok, bah écoute, on peut passer. Ouais, je vois Mev qui nous dit Tassem Bedo est pas mal avec son âge et sa spé. Comment ça, sa spé, attends euh... Ah, attendez, tu rate ma académie, peut-être qu'il y a eu. Ah oui, il est. unpredictable. Euh... il est, euh... Euh, impredictable. Il est euh... imprévisible. Euh, ok. Euh... Ah, ça, c'est bon à savoir. Bah attendez, on va marquer si. Et il a 15 ans, 80 jours. Bon, il est quand même 3 sur 7 en défense. Mais on a pas mal de défenseurs, peut-être. Est-ce euh... qu'on ferait pas un tour des jeunes, rapidement, pour voir qu'est-ce qu'on oui, fait si, Parce que c'est un peu la question, tu vois. Donc, on a justement Tassem Bendo, qu'on avait mis en deux, justement. Donc, c'était, soi-disant, potentiellement, le question, prochain qu'on devait peut-être former, idéalement. Question, est-ce que tu as regardé, par rapport au dernier euh, match, ce qui a été révélé Non. Par ça, et ensuite, on fait le tour des joueurs. Exactement. Alors, on va regarder juste le rapport de match pour voir s'il euh, y a eu des sp. Ah ben bah voilà, Tassembe ah oui, c'est en fait, ouais, dans le dernier rapport justement. Ce que je me dis, on l'aurait vu vu qu'on regarde à chaque fois, donc euh, effectivement. Euh... Je regarde vite fait. Non, il n'y en a pas d'autres. Donc en fait, c'était bien sur ce match-là, en fait. Donc c'est là où Rate My Academy a pris cette info avant nous. C'est un spoiler qu'on a eu en quelque sorte. Mais bien vu quand même de Mev, en tout cas, euh, qui a bien vu ça. Euh, et l'entraînement. Euh, il a, ok, ça c'est Mendo. Ne simule jamais une chute, vous voudrais respecter ce gamin. Bon, il n'y en, en a que pour Tassem Bendo, faut croire, euh, là, pour l'instant. A la capacité pour continuer à s'améliorer. Bon, en gros, là, il nous dit juste que, voilà, c'est un bon joueur. Je peux vous l'assurer. L'entraînement buteur n'aura plus d'effet sur Koulidjati Ah ok, donc Koulidjati qui est 3 sur 3 en buteur. Ok. On l'a mis pour tester. Oh, hein. Celui-là, on peut le jeter. Ouais, c'est ça. Juste une remarque <laughs> sur Tassem Bendo. Oui. Euh, quand il dit qu'il a les capacités pour continuer à s'améliorer au sein de l'équipe, blablabla, je crois que pendant plusieurs saisons, en fait, c'est surtout pour dire que il a besoin de beaucoup d'entraînement pour arriver à son plein potentiel. Et, et ça correspond à ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il part de 3 en défense et qu'il peut aller jusqu'à 7. Oui. Ça ne veut pas dire que c'est un des meilleurs joueurs, mais ça veut juste dire qu'il a besoin de beaucoup de temps d'entraînement au club pour, euh, pour arriver à, ses, à son potentiel max. Ok, mais c'est bizarre parce que tu vois, en fait, finalement, il dit deux fois la même chose avec cette phrase-là et a les capacités pour continuer à s'améliorer. Euh, c'est drôle. Non Ouais, je sais pas. Il faudrait regarder sur Attrick use Club, il y a chaque phrase et avec la signification que ça a. Ok. Peut-être les deux phrases ont une signification légèrement différente. Euh, Zeba, euh, passe honorable. Bon, ça, Zeba, on l'a vu, hein, on l'a tiré en tout début. Euh, Truchon, sa caractéristique buteur est maintenant passable. Ah, il serait vrai qu'on a mis Truchon aussi. Euh... Ah, bah d'ailleurs, aussi la passe, 5 sur 5. Donc euh, il est passé 6 sur 6 en buteur. On l'a mis en buteur parce qu'il avait un peu de buteur et ça faisait plaisir. Hein. Truchon, pourquoi pas. Euh, passe pour Truchon. Et Zoudi a le potentiel pour devenir honorable en défense. Attends, mais on a, Attends, mais on a... Alors, ouais. on a une fournée de défenseurs là, j'ai l'impression. En plus, il est costaud. Et euh... Et on peut aller direct sur l'entraînement en défense là. Mais là, attends, mais c'est incroyable. Direct, c'est bon, il ouais. n'y a, a pas à se poser de questions. Mais c'est génial, tu vois, dans ce cas-là, parce que en gros, euh, on a pas mal de potentiel ouais, au peut défenseur. c'est notre petit nouveau. En... Pardon, je t'interromps. Peut-être ah, notre petit nouveau en défense aussi. Ok, c'est parti. On va faire, on va faire la compo donc euh, pour euh, dans deux jours hein, la compo junior. Donc euh... Tassembedo en défense. Je pense qu'on est d'accord. Yes. Euh, ah, Arunaki... Euh... Bon, ça on va voir. Bon. Ouais. ouais, ouais, laisse pour l'instant. Attends, je vois je... C'est qui Ganame, Attends, Ganame... Mais En fait, Ganame. il a 17 ans et 37, ah oui, il a 36 17 ans, jours. Oui. Ouais. Kouliati, non. Okay. On regarde juste pour l'instant. Oh, Truchon Ganame, pour... Mais le quand même... Euh... Mais le en position de buteur. Ok. Pourquoi Parce que il aura de l'osmose en défense. Et si on fait défense plus individuelle, euh, qui sait s'il prend pas un peu d'entraînement buteur J'aime bien trier par H quand même, tu vois. Comme ça, Sangaré, ça c'est le petit nouveau qu'on va mettre en défense. Comme ça, on ne l'oublie pas. Euh, Peut-être. Sous... Oui, dis-moi. Et on peut voir avec les autres joueurs, tu n'auras pas pla... 5 places de défenseur central. Et comme ça. Sangaré, il a une secondaire alliée. Peut-être que tu peux le mettre défenseur latéral. Ok, et on a Zundi hein, bien évidemment, ça on vient de découvrir un 5 sur 7 en défense, euh, ça fait plaisir, donc on va le mettre ici. Donc on a Tassem Bendo, 3 Pareil, sur 7. Je le mettrai, euh, Je le mettrai aussi, est parce que... Après ça défend, on peut aussi mettre les meilleurs potentiels au centre, mais pour l'instant on met de ce côté-là. <laughs> Chef plein doigt qui nous dit le Dicredi va virer vers une équipe tir de loin. Et ouais, on va s'amuser tous les, <laughs> les week-ends. <laughs> euh, ok, Kura, on ne sait pas pas, imprévisible en fait il a tellement de potes on va regarder ceux qu'on connaît et qu'on sait qu'il faut qu'on forme en défense je vais passer vite fait pour voir pourquoi pas truchon mais bon on a déjà formé buteur passe, s'il a 6 en défense on va voir s'il n'y a pas mieux quand même c'est pas mal quand même hein, mais on va voir s'il pas mieux bah, euh, si si tu peux mettre truchon hein. tu Ka sais tu sais pas non plus les autres caractères c'est vrai qu peut-être qu'il a de la construction 5 ou 6 C'est du coup euh... ma question c'est qu'à fond ça vaut peut-être pas la peine il reste plus que 37 jours ça sert à rien il est 5 sur 8 en défense euh, c'est compliqué, tu vois, lui. Person... Personnellement, je le mettrais quand même. Et ça, ça dépend aussi des autres joueurs. C'est toujours relatif à Est ce qu'on a comme autre. Euh, Alors, Soudré, on ne connaît je vais rien. On peut un peu dérouler la liste pour voir si on a mieux. C'est ça, la question. En fait, c'est ça. Donc, je les passe un par un, c'est ça, hein, dans ceux qu'on n'a pas mis. Soudré. Soudré, il a... Ouais, tu peux voir la fiche de Soudré. Il a 15 enfin, ans. Je veux dire, quelle aptitude ouais. moyenne, euh, qu'est-ce qu'il avait Parce que... Tout à fait. Il avait 15 ans... On ne sait pas trop, il avait passe médiocre et euh, potentiel inadéquat lié. Ok. Pas foufou. Et les notes qu'il a fait, est-ce qu'on a des notes qu'il a fait en défense euh, Attaquant, milieu non, de terrain, gardien, tout. milieu de terrain, attaquant, non. Vraiment pas du tout. Et ici non plus. Oui, non, en fait on peut le voir ici, c'est vrai. Donc ça, on ne sait pas du tout. Je euh, sais pas. De notre côté, avec ses 15 ans, et on n'a pas trop d'infos, en plus il y avait une carac qui partait à 3. Et qui a terminé c'est ça attendez redescends voir la passe elle a commencé à 3 à 3 tout à fait médiocre bah, bah, donc euh, ça veut dire que défense il a pas plus haut que 4 pourquoi parce que ses trois meilleures caractéristiques ont déjà été révélées c'est allié, passe et buteur ah bah oui oui c'est vrai vu que oui vu que passe c'est 4 bon. sur 4 ouais c'est vrai OK donc défense non pour lui ça, ça sert à ça... rien de le mettre en défense bien vu il pourra pas être plus haut que 4 euh, donc Soudré euh, c'est un non Odagou 3 sur 3 en défense euh... non euh, revient sur Soudré parce qu'on peut choisir sa place quand même. si On fait de l'individuel. Oui c'est vrai, en... c'est vrai. Bah, franchement mais le en buteur parce que euh, il recevra de l'entraînement buteur ou ailier et du coup euh, il progressera un peu dans. Sauf si ça tombe sur passe. Mais si l'individuel tombe sur buteur ou ailier il progressera un peu dans une des deux carac. Ok. Euh, Odagou, 16 ans, 0 jours, défense médiocre, ailier potentiel 5. Pourquoi pas? 16 ans, on peut le mettre en ailier, en milieu, en. On ne sait pas. Ouais, en fait. ouais, euh, mets en ailier. Il est imprévisible. Oh. Non, mais. Peut... Ouais. Euh, mets en milieu. Milieu, ok. Et ouais. On l'a déjà testé en milieu? Euh, oui, il avait 2,5, je vois ici, en milieu central. Donc, oh, euh, okay, pas incroyable, okay. finalement. <laughs> C'est un peu du... Non, mais mets en ailier, alors. Ok. Kura. Ouais, euh, Kura, imprévisible, mais euh, bon, pas plus haut que 4 ou 5 en construction. Est-ce qu'il est, faut que... voir sa fille euh, qu'est-ce qu'elle disait puis on l'a testé un peu partout et euh, ouais franchement euh, rien d'exceptionnel ouais, ouais, c'est nul. Euh, Coura non. Tu peux aussi le mettre en ailier si on n'a aucun autre mais sinon euh... voilà. Kebé euh, bon non, joueur moyen qui peut être qui peut être utile pour euh, découvrir des, des autres notes on va dire mais bon, c'est pas lui qui va faire la différence. Euh, Kouli un peu pareil, enfin, il pourra pas être en défense. Il a quand même 4 sur 6 en construction, il a 16 ans 41 jours, pourquoi pas si... Mets-le en, en milieu. En milieu. Ouais. Nabéret, alors C'est toujours pareil. Il aura de l'os pose en défense. Et puis peut-être que de l'individuel en construction le fera progresser. Attends, je vois que. Euh, ouais, pour revenir à que Grand nous demande si Odaku, euh, euh, Odagou en buteur, est-ce qu'il vaut quelque chose Non, il a. Euh, alors ah, on ne l'a pas testé en buteur, Odagou. Il a 3 en de 2,5 au milieu. Donc euh, on ne sait pas en buteur. Oui, tu peux le tester en buteur, effectivement. Odagou. Il est imprévisible, pourquoi pas hein. Euh, ok, Damiba. Oh, euh, Au de à mon avis, il est assez nul. Il mais... <laughs> y a des chances. <laughs> J'avoue qu'il y a des chances. Euh, Damiba. Ah, là, on arrive sur les gens quasiment de 17 ans. Euh... Ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Arunaki, lui, on sait qu'on va le sortir. Pourquoi pas donner un peu d'osmose défense dans ce cas-là Ouais, tu... mets-le -mets en milieu. Ouais. Donc, attends, là, on est quoi On est en 5-2-3. On est bon. Donc, en fait, il manque juste un gardien.

bah, ah, je... Maximum de trucs euh, de potentiel révélé. Ah genre ah, KB, Kb par exemple. Là, très bien. Ouais, ok. Ouais. Très et bien. Là, tu... Et tu vois, du coup, on a nos cinq défenseurs et les cinq autres qu'on place, franchement, ils... ça sert à rien de les tester en défense. Donc on peut entraîner aussi Cafando qui a. C'est vrai. Jeu créatif, bien vu, Mev. Euh, Jeu créatif, ça on n'oublie pas. Euh, les milieux vers euh... Ici ça change. Rien. Ouais ça change pas grand chose en fait. Ah, dans oui, ce cool, cool, ah si cool, pour il y a, qui, qui, ouais. C'est ça. Mais qui... Euh, et bon, qui tu voilà. peux le laisser normal. Ouais ça. Il est rapide donc on le sait déjà. Et, euh, et, et alors... Tu en... peux mettre... Ouais. Euh, oui non c'est bon. Mais courage je mmh. pense qu'on va le mettre en remplaçant en défense. C'est le plus jeune pour lequel on connaît pas la défense donc on sait jamais. Ouais. Voilà on va mettre sur les deux postes de défense. Euh, puis après bah, Nabéré peut-être. Qu'on peut mettre euh, même, même partout tu vois. Oui mais, mais les autres et Nabere tu le mets en second derrière... Euh... Ouais. Voilà. Attends, comme ça et derrière ici quoi tu veux dire. Enfin oui en fait j'étais ouais. pas obligé de le mettre là mais... Attends, Cura, Cura, Nabere, Nabere, ok. Et euh... puis voilà les autres on va là, juste tu compléter. C'est ça, ouais, c'est pas important. Ok donc on sauve. Euh, on va même sauver je pense euh, peut-être par euh, composition par défaut, non c'est peut-être pas mal vu que maintenant on change quand même oui, un peu d'entraînement. Et... Pour finir, il ne faut pas oublier l'entraînement. Donc là, on, par on partirait sur de la défense. Tu, 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 tu sentirais comment en fait Parce que c'est vrai que la défense, ça c'est sûr. La mais... défense individuelle, c'est très bien. Ok. En fait, l'idée le, le, c'est que, en choisissant rapidement défense individuelle, c'est que c'est le meilleur entraînement pour entraîner des défenseurs dont, dont les secondaires construction et passe ne sont pas encore maxés. Quand tu dis individuel, on est d'accord que c'est entraînement étendu défense. Non. Ah, non. individuel euh, vraiment. Individuel. Ah oui, ok. Ah mince. Euh, okay. Alors, petit, petit, euh, petite explication rapide pour ceux qui ne sont pas habitués à utiliser cet entraînement. L'entraînement individuel, il entraîne tous les joueurs, donc les 11 joueurs sur le terrain, et il les entraîne dans une des trois ou quatre caractéristiques qui sont utiles à son poste ok Et c est, c est, par exemple si on met un joueur en milieu de terrain il sera entraîné soit en construction, soit en défense, soit en passe soit en coup franc avec le coup franc qui a la plus faible chance de tomber et euh, cet entraînement euh, c'est choisi au hasard, on n'a pas de maîtrise pour savoir sur quoi va tomber l'entraînement individuel mais en tant que défenseur, ça entraîne. En, en fait, un défenseur central, il sera entraîné en défense, en construction ou en passe. Et c'est des entraînements qui sont très profitables euh, quand ça tombe dessus en individuel. Okay. Ça fait progresser euh, quantitativement, ça les fait bien progresser les joueurs. Je change les numéros comme disait Kassek, il a raison. Hein. Donc, euh, je pense que Tassem Bendo on va le mettre en numéro 1, parce que ça a l'air d'être potentiellement un bon joueur euh, à former euh, prochainement. Et euh, le problème, c'est que ce qui n'est pas évident, c'est que normalement, là, on, chez les jeunes, pour l'instant, on a vraiment trié par euh, juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour ceux qu'on va entraîner. Donc, Sangaré, on ne sait pas trop. Donc, on peut le mettre peut-être dans les 10. Donc, à euh, voir, en fait, ce que ça va donner, j'imagine. Et euh, on a qui d'autre Je crois qu'il y en a que deux autres. Odagou. Eh, Odagou, on ne sait pas non plus. Hein, donc, on va le mettre quand même dans les 11. En fait, je pense que on, de, 1 à 10, de 1 à 9, c'est les joueurs euh, qu'on va entraîner, maxer, etc. De 10 à 20, à mon avis, c'est les joueurs à euh, voir. Et euh, dans les 90, euh, c'est les joueurs, à mon avis, euh, on jette, quoi. Euh, Naberé, c'est vrai que ça, c'était un nouveau joueur. Bon, lui, on sait rien du tout de lui. Et euh, il était déjà plus âgé. Hein, donc, à mon avis, on va quand même... On va être sympa, on va le mettre dans les 10. Mais à mon avis, euh... il enfin, faudra voir. On ne connaît vraiment rien. Il est technique quand même, c'est vrai qu'il a quand même une spé. Euh, ok. Bon, on a fait un bon petit tour. On a fait, euh, on a fait un bon tour en tout cas de l'effectif des jeunes et des, ouais. des seniors. Donc euh, c'est sympa. Euh, Est-ce qu'on a, a fait le job On a fait le job. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, on a fait. Le... Ouais, c'était bien, c'était intéressant en tout cas. Est-ce que euh, dans le chat ça vous va et puis Fidou, ça va On n'a rien oublié, hein, je pense. On a fait un bon tour. Ah non, pour eux, oui, pour les. Je pense que pour euh, ce qu'il faut faire de la semaine, on a fait ce qu'il fallait. Ok. Si quelqu'un a une idée à suggérer, mais sinon, je pense que c'est ok. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, euh, n'hésitez pas dans le chat s'il si manque quelque chose. Mais en tout cas, c'était chouette, ça fait plaisir. Euh, c'est quand le prochain match amical junior Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est peut-être la semaine prochaine. Attends, on avait regardé, c'était le 18, donc dans 5 jours, effectivement, c'est la semaine prochaine. Le 18, c'est euh, lundi. Donc en fait, on pourra l'organiser lundi. Euh, ouais. Donc ça sera avant euh, mercredi, quoi. Avant l'émission du mercredi. Et tu peux regarder aussi quand est le prochain changement de poule, parce qu'avec la super réforme des poules de jeunes, ça peut être intéressant de voir quand tout ça tombe. C'est vrai. Euh... Bah là, ça sera dans quatre semaines, donc euh, jeudi dans. Euh... Ouais, ça va être un Il y a de quoi faire, ouais. Moi, j'ai une dernière question. Je suis en train de me refaire des épisodes. Et Petit Philo était venu en deuxième épisode. Euh, il voulait un tireur de couffrant. Est-ce que trois saisons plus tard, il l'a enfin Oui, il l'a enfin. Bon, il a fallu trois saisons pour l'avoir. Non, en vrai, en vrai. On va quand même raconter l'historique rapidement. C'est ça. Il y en avait déjà avant. Ça, avait déjà avant. Euh, par exemple, Rotilène, tu vois, 15 en couffrant. On avait... Euh, attendez, on avait qui d'autre euh, Attends, on avait Rotilène et... Euh, je vois son nom, mais je ne le vois pas dans la liste. Rotilène et... Coudère. Euh, ah non, Coudère n'avait pas de courant. Pardon, on avait Rotilène, voilà. Je pense qu'il y en avait peut-être un autre. Mais là, aujourd'hui, on a, on a aussi... Euh, c'est pas le attends, c'est. Euh... Attends, on va le retrouver ici, désolé, trop de mémoire sur le nom. On a. Euh... Attends, je suis en train de les descendre un par un. Non, il est tout à la fin parce qu'on lui a pas mis de numéro. Ouh. Ah oui, c'est vrai, ah, oui, c'est vrai. Oui, vrai. <laughs> Enza Jigua, donc voilà, un tireur 19. De coups Donc, euh, ouais. Ah, c'est bien que Toti Thomas t'a écouté les émissions. C'est bien de se rappeler l'historique parce que même nous, on enfin, moi je me rappelais même plus qu'on aille parlé mais c'est sûr que t'en avais sûrement parlé, en fait, euh, petit fitou. Donc, euh, au moins, on a le tireur de coups Donc, euh, oui, Toti Thomas, ça c'est fait. D'ailleurs, on va lui mettre un numéro, N. Hein, N. qui fait partie donc des numéros des euh, des milieux de terrain. Et donc, on est sur du euh, 30 et quelques, hein, je pense. Non, 30 c'est les ailiers, c'est plutôt les 20, pardon. Donc on va lui donner le 21 qui est disponible. C'est quelle nationalité ça c'est De Tanzanie, ok. Validé. Parfait. Cochon mène euh... 0-2, 5 minutes avant la mi-temps. Excellent, Cochon qui joue en Cossolante du Maroc. Bah, J'espère qu'il va gagner, ce serait chouette. Un nouveau vainqueur de la communauté, Enfin un habitué de la communauté qui gagne euh, une Cossolante, ça serait bien. Après euh, Gourcufigno qui nous avait euh, envoyé un petit message la semaine dernière. Pour euh, la Et console. Est-ce qu'il y a une remarque Grand Vince, j'ai pas vu. Euh, une entrée de Nabéré en def pour voir s'il a de la def. Allez ah, cochon. De quoi Une ouais, entrée de... Ah oui On peut le faire à la 89ème en fait. Ouais c'est bien vu, c'est vrai, c'est vrai, on va quand même faire ça. Donc en fait ça permettra de voir avec les notes... Étoiles il a. Tout à fait. On le remplacerait... Il a il sort, euh, 6 ou 7 étoiles, on se dit ah mince, faut l'entraîner. À la place de truchon, hein, je pensais si un a... peu le moins bon entre guillemets. Euh. Ouais, vas-y, mais à la place de Trusson. Hein. Est-ce que Tassembedo, Cafando, tout ça, Zundi, tu en on a quand même envie de les former, de voir, donc euh, ouais. Ok, ouais, bien vu, bien vu. Et. Ça me fait penser à une autre chose, on peut regarder qui risque d'avoir sa caractéristique défense révélée. Puisque c'est l'entraînement primaire. Donc ça me... si tu peux passer sur les 5 défenseurs à tour de rôle pour Zundi, voir... on connaît, ouais. Zundi, on connaît. Cafando, on connaît. Ok. okay. on connaît. Truchon on connaît pas, mince, et Sangaré on connaît rien. Ok, donc ça sera Sangaré ou Truchon qui verront leur caractéristique défense révélée. Ok. Très bien. Okay. Ben parfait, écoute, euh, c'était chouette en tout cas, on a passé un bon moment. Euh, on en reparlera ce week-end hein, de, de tout ce qu'on a fait là, <laughs> c'est sûr. Et euh... Oui, oui. Et euh... Donc voilà, donc petit rappel, on sera pas là vendredi. Alors on est là tous les vendredis habituellement avec des invités, etc., machin et tout. Mais là, ce vendredi exceptionnellement, c'est euh, pause entre guillemets. On sera pas là. Peut-être, et j'y bien peut-être. C'est un grand peut-être. On sera là peut-être samedi. Mais si c'est le cas, on vous tiendra au courant. Vous enverra un petit message sur le forum ou sur Discord. Donc euh, tenez-vous au courant. Peut-être qu'on va se filmer, qu'on va peut-être faire un live. On va voir, mais. Je dis peut-être dans le sens où je sais pas les autres comment sont les gens de manière générale. Moi je sais quand je participe à un événement, tu vois, je suis pas le genre à, à sortir mon téléphone et prendre des photos ou filmer les événements, j'aime bien profiter du moment. Donc euh, ça va vraiment dépendre de comment se passe la soirée, peut-être qu'on voudra aussi profiter entre nous, peut-être que le temps va passer vite, peut-être qu'on sera dans des moments où on pourra pas le faire. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de promettre qu'on va faire ça. Mais si on peut, on le fera avec plaisir, mais maintenant euh, voilà, c'est encore une fois à voir. Je pense que tu es d'accord un petit filou, ça dépend de comment ça se passera de toute façon euh, la soirée avant de faire quoi que oui, ce soit. Clairement. Mais, euh, donc voilà on sera pas là ce vendredi mais on sera là vendredi prochain pour l'émission spéciale de noël donc on se pardonne on vous fera des cadeaux vendredi donc euh, dans une dans dix jours donc on sera bien là vendredi pour l'émission de noël par contre bonne nouvelle moi euh, ouais, j'ai décidé euh, en accord avec moi même de, de faire les émissions quand même du 12e homme même pendant les fêtes enfin je veux dire pendant les fêtes les mercredis euh, voilà même au mois de décembre fin décembre parce que euh, de mon côté, j'aurai l'occasion, normalement, sauf contre-temps, mais normalement, il y aura quand même le, le suivi, le fil rouge avec vous. Donc si vous êtes présent aussi, n'hésitez pas tous les mercredis, euh, il y aura quand même l'émission, en tout cas. Et donc voilà, en tout cas c'était cool de faire ça aujourd'hui. Plein de nouveaux hein, qui nous ont découvert, qui ont suivi la chaîne. Euh, pour ceux, s'il y en a qui sont là et qui n'ont pas osé parler, n'hésitez pas à parler dans le chat, il n'y a aucun souci hein, de manière générale. Vous êtes bien accueillis, c'est une, une communauté plutôt bienveillante. Et si vous venez vraiment de découvrir ça et que vous entendez ça, n'hésitez pas aussi à aller voir les rediffusions sur YouTube. Vous, allez, vous tapez HTActu je j'ai pas le lien sous la main, mais on a une chaîne YouTube. Je crois qu'il est en dessous de la page, enfin euh, sur Twitch, si vous descendez en dessous, normalement il y a le lien YouTube. Et là vous pourrez retrouver toutes les émissions, aussi bien du 12 e homme, donc ça veut dire euh, un peu l'historique du club, etc. Que les émissions du vendredi, où c'est souvent des émissions intéressantes. Où on reçoit des gens, de manière générale, on a des invités, ils expliquent leur parcours et des conseils, etc. Donc, euh, donc voilà. Tip top. Merci en tout cas à tous. Petit filou, un énorme merci hein, parce que tu es venu vraiment. Ça m'a plus que dépanné. Ça a toujours un plaisir en tout cas de, de faire ça avec toi. Et, et aux autres de se motiver pour euh, prendre oui. euh, la place. Non mais c'est vrai. Libre, venez. Hésitez pas, N'hésitez pas. En plus, euh, c'est vrai que généralement j'envoie des messages, mais. Bon, j'ai beaucoup de refus et c'est normal. Enfin, c'est toujours des refus très gentils, hein, mais bon, peu de gens sont disponibles. Il faut être disponible le mercredi, etc. Parfois, c'est difficile pour les gens de, de dire ça. Mais si, franchement, vous nous écoutez, et que vous avez envie, n'hésitez pas. Vraiment, il y a aucun souci. C'est le fait de rencontrer les gens, de discuter du jeu avec différentes personnes, c'est toujours chouette. Donc, euh, franchement, n'hésitez pas. Et sur ce, on vous passe une bonne et on, vous passe... on vous souhaite, pardon, une excellente soirée. et Puis euh, à la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Et petit filou, tu un mot de la fin et puis euh, dis-moi. Oh, rien de spécial, merci à tous de, de continuer à suivre l'émission et puis voilà, profitez bien sur Attric et à bientôt. Bonne soirée, à la semaine prochaine.